On va donc aborder le quatrième cours de cette série, dont le titre, donc la série qui porte sur la matière topologique, et le titre, c'est Topologie et courbure de Berry dans un réseau à deux dimensions. Donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est d'aborder, donc, je vais baisser peut-être un petit peu la lumière, c'est d'aborder les problèmes bidimensionnels. Tous les premiers cours ont été consacrés à des problèmes à une dimension, avec ces modèles SSH, ce modèle de Rice mêlé. Mais la dernière fois, on a commencé à faire une transition vers les aspects bidimensionnels en nous intéressant à une dimension d'espace et une dimension de temps. Et bien, le cours d'aujourd'hui, finalement, il va être construit un peu sur les mêmes, avec les mêmes outils que ce qu'on a vu la dernière fois. Mais là, on va vraiment avoir affaire à deux dimensions d'espace. Alors, un réseau emblématique à deux dimensions, c'est ce réseau hexagonal, réseau du graphène, dont il sera beaucoup question aujourd'hui. Alors, ce problème de la topologie à deux dimensions, c'est vraiment, je dirais, le cœur de la matière topologique telle qu'il est apparu en physique au cours des 20 dernières années. Initialement, ça a été initié par l'effet Hall quantique, dont je redirai un mot tout à l'heure, mais c'est vrai, l'effet Hall quantique, c'est vraiment un problème de gaz bidimensionnel d'électrons plongé dans un champ magnétique. Et c'est dans le cadre de cet effet Hall quantique qu'on a vu apparaître pour la première fois des nombres quantiques robustes, des nombres de Chern, dont il va être beaucoup question aujourd'hui. Une des raisons aussi pour lesquelles ces problèmes à deux dimensions restent vraiment très importants, c'est le problème de ce qui se produit dans la matière topologique quand on rajoute des interactions. On ne va pas le faire beaucoup cette année, mais néanmoins, je tiens à le signaler, parce qu'à ce moment-là, les particules, plutôt les quasi-particules, les excitations élémentaires du système qui peuvent apparaître, peuvent avoir des comportements statistiques tout à fait intéressants, très différents de ceux à quoi on est habitué dans l'espace tridimensionnel, où là, on peut classer les particules en bosons ou en fermions, selon que on peut les échanger sans changer le signe de la fonction d'onde ou alors on acquiert un signe moins. Eh bien, à deux dimensions, en fait, l'espace est plus vaste de certaines manières. C'est-à-dire qu'on peut avoir n'importe quel type de statistique. C'est pour ça que Wilczek avait appelé les statistiques qui émergent sous la forme anion. C'est-à-dire qu'on peut avoir n'importe quelle statistique quand on échange deux particules ou deux quasi-particules à deux dimensions dans cette matière topologique. Donc ça, je dirais, c'est un intérêt supplémentaire pour bien comprendre ce qui se passe à deux dimensions au niveau de la particule unique pour après pouvoir passer éventuellement à des systèmes en interaction. Alors, dans le cours d'aujourd'hui, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que ces nombres topologiques, ces nombres robustes, ces nombres de Chern, apparaissent de manière équivalente dans différents points de vue. Et on va en regarder deux aujourd'hui, le troisième ce sera pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de commencer par un aspect géométrique qui va généraliser finalement ce qu'on avait trouvé mathématiquement à une dimension qui était l'enroulement sur la sphère de Bloch. Et bien là, ce sera ce que j'ai appelé le recouvrement de la sphère de Bloch. Et puis ensuite, on passera à la physique. Et là, le critère qu'on va se poser comme pour caractériser la topologie, ce sera un critère fondé sur le transport et la quantification de la conductivité. Là, on retrouvera vraiment l'effet Hall quantique dans toute sa splendeur, celui qui avait donc émergé au début des années 80. Et puis la semaine prochaine, on verra un troisième critère, lui aussi physique, qui est l'existence de canaux de bord qui généralisent les états de bord discrets qu'on avait trouvés à une dimension. Donc voilà. Donc le problème d'aujourd'hui, c'est essentiellement mettre en place ces deux objets-là. Mais avant de commencer directement avec la géométrie, je voudrais préciser quel type de réseau on va regarder et préciser une des particularités de ces réseaux qui sont les points de Dirac. Donc on va s'intéresser dans cette première partie, il y a des réseaux avec deux sites par cellule unité. On va se placer dans le régime des liaisons fortes. C'est ce que j'appelle un réseau bipartite. Et c'est là qu'on va voir émerger ces points de Dirac dont la relation de dispersion est représentée sur ce graphe, pour ceux qui ne le connaissent pas. J'espère que ce sera un petit peu plus clair dans quelques minutes. Donc commençons par les réseaux à deux dimensions les plus simples, qui sont les réseaux triangulaires d'une part et les réseaux carrés. Alors ça, c'est des réseaux vraiment très basiques. Hein. C'est des réseaux qui comportent un site par cellule unité. Si vous prenez un réseau triangulaire comme ça, vous pouvez prendre comme cellule unité le losange qui est ici. Et vous pouvez déduire tout le réseau simplement par translation de ce losange selon la direction A1 ou selon la direction A2. De la même façon, si vous prenez un réseau carré, eh bien, vous pouvez prendre A1 et A2 comme ça. La cellule unité, c'est ce qui est grisé ici. Et vous pouvez déduire tout le réseau par translation de cette cellule unité. Alors, si vous vous rappelez la forme du théorème de Bloch
qu'on a vu jusqu'à maintenant à une dimension, mais qui se transpose directement à deux dimensions. Bien, le théorème de Bloch nous dit que je peux choisir l'état propre de ce type d'Hamiltonien périodique sous la forme d'une onde plane et puissance IQ scalaire fois une fonction qui est périodique sur le réseau. Eh bien, quand vous avez affaire à des réseaux à un site par cette unité, si vous placez dans le régime des liaisons fortes, eh bien, il y a une seule fonction périodique sur le réseau, c'est la fonction qui prend la même amplitude sur tous les sites, donc que j'écris somme sur J dAJ. Pour bien faire, il faudrait la normaliser, cette fonction, mais à ce stade, ce n'est pas important. Donc, j'ai une seule fonction périodique sur le réseau qui est réelle, qui est indépendante de Q. Donc, à ce stade, si on se fie à notre intuition, l'intuition qu'on a acquise à une dimension, ben, il n'y a pas de probabilité topologique à attendre. Donc, les réseaux triangulaires et carrés sont très simples à étudier, mais ils sont tellement simples qu'il n'y a pas de topologie intéressante derrière. Donc, il faut les enrichir un petit peu, ces réseaux, et c'est pour ça qu'on va passer maintenant à des réseaux à deux sites par cellule unité, et c'est eux qui vont nous intéresser. Alors, le réseau emblématique là-dedans, c'est le réseau du graphène. Ce réseau du graphène, il a été proposé il y a longtemps, hein, c'est dans les années 50, mais il a été réalisé pour la première fois sous forme vraiment de graphène par Game et Novoselov dans les 2004, je crois, ce qui leur a valu le prix Nobel de chimie quelques années après. Et ce réseau du graphène, toujours dans une limite d'adhésion forte, eh bien, c'est un réseau avec deux sites par cellule unité. Si je représente mon graphène sous la forme d'hexagone avec un côté qui est donc parallèle à la verticale ici, eh bien, je peux repérer les sites comme étant soit en bas du petit segment vertical, et ce sera les sites de type A, soit en haut du segment vertical, ce sera les sites de type B. Et vous voyez que n'importe quel site là-dedans est soit A, soit B. Et je peux générer tout le réseau du graphène en prenant, par exemple, comme cellule unité, le losange qui est grisé ici, et en le translatant par les vecteurs A1, A2, ou n'importe quelle combinaison linéaire de A1 et de A2, avec des coefficients entiers. Bon, les expressions exactes de A1 et A2 sont écrites ici, mais je ne vais pas les utiliser dans le détail de leurs mathématiques. Et comme on l'avait vu donc, à une dimension, à ce moment-là, si vous avez deux sites par cellule unité, eh bien, une fonction qui est périodique sur l'ensemble du réseau va s'écrire comme une certaine amplitude alpha q avec la même amplitude sur tous les sites de type A, donc une fonction que je vais écrire somme sur J dAJ, et puis une autre amplitude bêta q avec cette fonction qui donc somme sur les BJ, qui a donc la même amplitude sur tous les sites de type B. Et alpha q et bêta q, eux, bien, sont des coefficients qui sont arbitraires. Donc, je retrouve le pseudo-spin 1/2 qu'on avait utilisé quand on avait étudié les modèles de type SSH ou Rice mêlé à une dimension. Simplement, maintenant, donc, tout ça, c'est paramétré par le vecteur petit q, donc, qui est le moment de bloc, hein, moment que je vais choisir dans la première zone de Brillouin, comme on l'avait fait à une dimension. Alors, ce moment de bloc, dans la première zone de Brillouin, quand on était à une dimension, ça revenait, si j'appelais petit a la maille du réseau, ça revenait simplement à le choisir entre moins pi sur a et pi sur a, ou plus généralement sur un segment de longueur 2 pi sur a. Donc, à deux dimensions, c'est un petit peu plus compliqué. Le moment de bloc, je dois le choisir donc dans le plan. Et, encore une fois, pour éviter les doubles comptages, il faut que je me restreigne à une zone du plan dans laquelle je suis sûr que deux points de cette zone grisée donne lieu à deux moments, enfin deux états qui sont différents l'un de l'autre, qui sont orthogonaux, deux états de bloc qui sont orthogonaux, et un choix possible pour la zone de Brillouin. Pour ce réseau hexagonal avec des côtés verticaux ici, eh bien, c'est là encore une cellule hexagonale, mais cette fois-ci elle a des côtés horizontaux, ici et là, et elle est donc, cette cellule, elle est paramétrée par les vecteurs B1 et B2, enfin B1 et B2 c'est les vecteurs du réseau réciproque, c'est-à-dire que si je prends n'importe quel point ici, de cette zone grisée et que je lui ajoute B1 ou que je lui ajoute B2, je retombe sur le même état de bloc, c'est-à-dire le même produit, onde plane fois fonction périodique sur le réseau. Donc, pour traiter le problème en évitant les doubles comptages, il faudra que je choisisse mon moment de bloc petit q à l'intérieur de cette zone de Brillouin qui est représentée ici. Et là encore, je vais donner l'expression des vecteurs B1 et B2 qui font intervenir, tout comme A1 et A2, le petit a, le côté de l'hexagone ici, avec des coefficients de pi et des racines de 3. Voilà, donc le problème du réseau du graphène se traite de cette manière. Donc on va chercher les états propres de ce réseau graphène sous la forme finalement d'un pseudo-spin 1/2, c'est-à-dire caractérisé par des coefficients alpha q et bêta q
pour un vecteur Q choisi à l'intérieur de cette zone de Brillouin. Alors, le graphène proprement dit a cette particularité que les deux sites A et B ont la même énergie. Il n'y a rien qui les dissymétrise, si ce n'est qu'il y en a un qui est en bas du petit segment vertical et l'autre qui est en haut, mais ils ont la même énergie. Donc, par convention, je vais prendre cette énergie nulle. C'est juste une manière de repérer l'origine des énergies. Et si on se limite au couplage entre proches voisins, eh bien, ce qu'on voit immédiatement, c'est qu'un site A qui est ici n'est couplé qu'à trois sites B et il n'est pas couplé à d'autres sites A. En effet, si vous regardez les proches voisins de ce site A, là, il y a d'abord le site B de la même cellule, ici, et puis il y a ce site-là, que je pointe avec mon laser, et puis ce site-là. Et ces deux sites-là, celui-ci et celui-là, correspondent tous les deux à des hauts de segments verticaux. Donc ça, c'est un autre site B, de la cellule que je déduis de la cellule grisée par une translation de moins à 1. Et puis ça, c'est un autre site B que je déduis du site B de cette cellule-là par translation de moins à 2. Donc un site A est couplé à trois sites B. De la même façon, le site B que j'ai grisé ici, eh bien, il est couplé à trois sites A, le site A de la même cellule, et puis le bas de ce segment-là, donc que je déduis par translation de plus à 1 cette fois-ci, et le bas de ce segment-ci, que je déduis par une translation de plus à 2. Donc, quand on met tout ça ensemble et qu'on écrit l'hamiltonien pour la partie périodique, donc la fonction périodique UQ, eh bien, je vais obtenir une matrice 2 par 2, ça c'est normal, c'est parce que j'ai deux sites par cellule unité, c'est la même chose que ce que j'avais à une dimension. Sur la diagonale, j'ai ici, c'est simplement soit l'énergie du site A lui-même, soit la manière dont les sites A sont couplés entre eux, mais je vous dis, je ne prends que des couplages entre proches voisins, donc un site A n'est pas couplé à un autre site A qui pourrait, par exemple, être un couplage entre ici et puis là. Ça, je n'en ai pas pour l'instant. J'en aurai la semaine prochaine quand on étudiera le modèle de Haldane, mais pour l'instant, je n'en ai pas. Donc, ici, j'ai 0. Énergie EA égale 0 et pas de couplage d'un site A à des sites A plus lointains. En revanche, ce que je vais mettre ici, c'est le couplage AB et le couplage BA. Et bien là, je retrouve trois termes qui sont simplement le fait qu'un site A est couplé à trois sites B, le site B de la même cellule qui me donne un 1. Alors j'ai mis le moins J, le coefficient tunnel en facteur, hein. Donc 1 pour le couplage de la même cellule, et puissance IQ scalaire à 1 qui est le couplage à la cellule translatée de moins à 1, et puissance IQ scalaire à 2 qui est le couplage à la cellule translatée de moins à 2. Et même chose pour les couplages BA, c'est ce qui vient se mettre ici. Et si vous avez des doutes sur les signes qui interviennent là, j'ai fait un petit appendice dans les notes pour bien assurer les bons signes. J'espère que je ne me suis pas trompé dans l'appendice, bien sûr. Mais... Voilà, donc, en tout cas, au signe près, on pressent bien que c'est ça l'hamiltonien en liaison forte pour le réseau graphène. Donc, vous voyez, c'est un hamiltonien très simple. La seule différence par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, eh bien, c'est que maintenant, le vecteur Q explore l'espace à deux dimensions. Il y a une composante QX et une composante QY. Comme j'ai affaire à un pseudo-spin 1/2, je peux toujours l'écrire, cet hamiltonien, sous la forme de combinaison linéaire des trois matrices de Pauli, sigma X, sigma Y, sigma Z. Donc je l'écris sous cette forme moins h de q fois sigma, donc h de q c'est un vecteur à trois composantes, hx, hy, hz, hx c'est la composante de sigma x, hy la composante de sigma y, hz la composante de sigma z. Comme j'ai rien sur la diagonale ici, bien la composante de sigma z vaut 0, puisque je vous rappelle que sigma z c'est la matrice diagonale avec des 1 et des moins 1 sur la diagonale, donc hz égale 0, c'est ce qui vient ici. Quant à hx et hy, eh bien ce sont simplement les parties réelles et imaginaires du coefficient qui est ici. Donc la partie réelle, ce sera 1 plus cos Q1 plus cos Q2, et la partie imaginaire, ce sera sin Q1 plus sin Q2. Voilà. Et avec ça, ben, je dirais, j'ai complètement paramétrisé mon problème du graphène. Je peux trouver les énergies propres, les états propres. Alors, les énergies propres, quelles sont-elles ? Eh bien, une fois que j'ai écrit mon hamiltonien sous la forme un vecteur H fois sigma, les matrices de Pauli, les énergies propres, simplement plus ou moins module de H. Donc plus ou moins module de H de Q, ou H de Q, je vous l'ai réécrit ici. Et ben ça, ben vous pouvez le tracer donc, en fonction de QX et de QY. Vous obtenez deux énergies propres, hein, la valeur plus et la valeur moins ici. Et ces énergies sont tracées ici. Alors là, j'ai tracé dans une zone carrée du plan QX, QY, c'est-à-dire que j'ai pris une zone un peu plus grande que la zone de Brillouin, pour qu'on y voit un peu plus clair. Vous avez ici des points qui sont un peu répétitifs, c'est-à-dire que le point qui est là et répète celui-là, qui doit répéter celui-là. Mais peu importe, à ce stade, je ne crains pas le double comptage. Tout ce que je veux, c'est montrer la forme des énergies dans le plan QX, QY.
Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des points de contact ici entre les deux bandes. Les deux bandes ne sont pas disjointes, elles ne sont pas séparées par un gap. Il y a des points, des moments Q, des moments de bloc Q, pour lesquels les points se touchent, les bandes se touchent, pardon. Et les bandes se touchent donc au point où module de H vaut 0, puisque j'en ai une énergie qui est positive, l'autre qui est négative. Le seul moyen pour qu'elles se touchent, c'est que le nombre soit nul. Donc c'est des points particuliers pour lesquels à la fois la partie réelle de mon coefficient dans ma matrice 2 par 2 s'annule, c'est-à-dire à la fois hx s'annule et hy s'annule. Donc hx, c'est une fonction réelle à deux variables, qx, y, hy, c'est une autre fonction réelle à deux variables. Ces fonctions s'annulent a priori sur des lignes dans le plan qx, y, et là où les deux lignes se croisent, c'est-à-dire là où la ligne hx égale 0 croise la ligne hy égale 0, ben, j'ai une annulation et les deux bandes peuvent se toucher. Alors, où est-ce que ça se produit en pratique? Eh bien, si vous reprenez la zone de Brillouin, ici, hexagonale, eh bien, en fait, les points d'annulation qui sont là sont en fait les sommets de l'hexagone dans la zone de Brillouin. C'est les points que j'ai entourés en bleu. Ce sont ces points. Et je me permets de remarquer tout de suite qu'on est dans une situation là qu'on pressent être un peu marginale sur le plan topologique parce que, si vous vous souvenez, l'intuition qu'on a acquise à une dimension, hein, ce qu'on avait, c'est qu'on pouvait avoir des bandes qui pouvaient être topologiques ou non topologiques, normales, quand elles étaient bien séparées. Et puis, je passais de la situation d'une bande fondamentale topologique, par exemple, à une bande fondamentale normale, au moment où je changeais les paramètres d'Hamiltonien et les deux bandes venaient se toucher, puis se reséparaient. Et le moment où elles se touchent, puis se reséparent, c'est comme ça qu'une bande peut passer de la nature topologique à la nature normale, et vice-versa. Donc là, je suis dans la situation où j'ai choisi les paramètres de mon Hamiltonien de telle sorte que les bandes sont en contact. Donc c'est une situation qu'on peut qualifier de marginale sur le plan topologique. Alors, regardons un tout petit peu plus en détail ces points, ici, les points de Dirac. Pourquoi est-ce qu'on les appelle points de Dirac? On les appelle points de Dirac parce que la relation de dispersion EQ, en fonction de, donc l'énergie en fonction du moment, est linéaire au voisinage de ces points. Si vous regardez un petit peu, si on revient en arrière, vous voyez ici, l'énergie varie linéairement avec E de Q, c'est-à-dire que si je fais une linéarisation au voisinage d'un point de Dirac là où HQ s'annule, eh bien les termes du premier ordre sont linéaires en Q. Donc, la première raison pour appeler ça ces points de Dirac, c'est qu'on a une physique qui est relativiste au voisinage de ces points. Quelque chose qui est au moins aussi important du point de vue de la topologie, c'est la manière dont se comportent, non pas les énergies au voisinage du point de Dirac, mais la manière dont se comportent les vecteurs propres de mon Hamiltonien au voisinage des points de Dirac. Et je vous rappelle que les vecteurs propres sont entièrement caractérisés par le vecteur h de q, plus précisément par le vecteur h de q normé, c'est-à-dire ce que j'ai appelé petit n, h divisé par module de h. Et donc c'est intéressant, prenons ce vecteur h de q, on le norme, et de regarder comment varie ce vecteur petit n, donc ce vecteur unitaire qui va me déterminer où se situent mes états propres sur la sphère de Bloch. Eh bien c'est intéressant de regarder comment ce vecteur n varie dans le plan qx, qy. Et c'est ce que j'ai représenté sur ce graphe ici. Donc là encore, vous avez le plan QXQY. La zone de Brillouin, c'est l'hexagone marqué par les points de Dirac, là, donc c'est l'intérieur de l'hexagone comme ça. Et le vecteur N, ici, j'ai tracé par une petite flèche dans ce plan-ci. Donc je rappelle que le vecteur N est dans le plan QXQY parce que je n'ai pas de composante selon Z ici, hein, donc je peux le tracer dans le plan. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe au voisinage d'un point de Dirac, là. Vous voyez que vous avez ce point de Dirac-ci ou ce point de Dirac-là, vous avez les vecteurs n qui pointent vers le point de Dirac, c'est-à-dire que si je fais le tour de ce point-ci, eh bien mon vecteur n va tourner de 2 pi quand je vais faire le tour du point de Dirac. Et si vous prenez ce point-là, au contraire, vous avez des vecteurs n qui pointent vers le bas ou vers le haut, qui pointent comme ça, et puis vers la droite et la gauche, ils s'écartent. Donc si vous faites le tour d'un point de Dirac, quand vous suivez le vecteur n, là, il va tourner de moins 2 pi, cette fois-ci, autour du point de Dirac. Donc, vous avez un enroulement, sur lequel je vais revenir d'ici 2-3 diapositives, vous avez un enroulement autour des points de Dirac. Donc, les points de Dirac sont intéressants, à la fois pour la forme de leur spectre, qui est un spectre, encore une fois, relativiste, relation de dispersion linéaire, relation entre l'énergie et le moment, et puis cet enroulement, ici, du vecteur n, qui va avoir une conséquence topologique, comme on va le voir dans quelques minutes. Alors, un mot sur la manière de réaliser cet Hamiltonien graphène. Alors, je ne vais pas décrire ici des manips de matière condensée. Là, je dirais que ce serait une série de cours entières qu'il faudrait lui consacrer. Enfin, depuis la découverte de Game et Novoselov, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de travaux faits là-dessus.
Ici, j'ai mis quelques exemples de réalisation de réseaux hexagonaux en matière diluée, si je puis dire, c'est-à-dire soit en optique, photonique, soit en acoustique. Donc là, ici, vous avez des réseaux hexagonaux faits avec des longueurs d'onde visibles ou le proche infrarouge. C'est simplement une série de guides d'onde. Donc les guides d'onde sont le long de la direction Z, là. Et puis, si vous regardez dans le plan XY, donc la section de ces guides d'onde, qui sont les fibres optiques, si vous voulez, ces fibres optiques sont disposées en hexagone. Vous voyez ici, vous avez un petit hexagone et puis un petit hexagone voisin, etc. Donc vous envoyez de la lumière là-dedans et la lumière donc, se propage le long de ces fibres et il y a un couplage par onde évanescente d'une fibre à la fibre voisine et vous réalisez donc pour l'amplitude du champ électrique, c'est à ce stade c'est l'électromagnétisme classique, hein, mais vous réalisez pour l'amplitude de ce champ électrique l'équivalent de cet hamiltonien du graphène, c'est-à-dire que le couplage par onde évanescente d'une fibre à la fibre voisine réalise cet hamiltonien que j'avais écrit pour le graphène. Et en regardant comment est-ce que la lumière se propage là-dedans, eh bien on a l'équivalent finalement d'une particule quantique que je mettrai à deux dimensions et je laisserai le temps s'écouler pour regarder comment cette particule évolue dans le réseau graphène. Eh bien là, la propagation long de la fibre, l'axe Z, joue le rôle du temps qui apparaîtrait dans le problème quantique. Ça, c'est donc dans le régime visible. Vous avez une expérience qui a été faite en France, à Nice, dans le groupe de Fabrice Mortesagne, où là, c'est plutôt dans le régime des résonateurs micro-ondes. Je crois que la fréquence est aux alentours de 6 GHz. Vous avez des petits plots, donc qui sont des résonateurs micro-ondes de quelques millimètres, eux aussi disposés en hexagone, pris entre deux plaques, et vous pouvez comme ça étudier, toujours avec un couplage par onde évanescente, comment est-ce que les ondes électromagnétiques peuvent se propager dans ce type de plan. Et puis là, vous avez encore une dernière expérience, donc, qui elle est faite dans le domaine acoustique. Vous avez une plaque, vous avez des ondes acoustiques qui se propagent le long de cette plaque. Cette plaque est pareille, fait apparaître des structures d'hexagones ici. Et avec des micros, vous allez repérer l'intensité des ondes acoustiques sur ces plaques. Et tout ça, ça permet de confirmer beaucoup d'aspects de cette physique, de cet hamiltonien simple, l'hamiltonien graphène. Je peux décrire un tout petit peu plus en détail une expérience qui a été faite dans le groupe de Alberto Amo et Jacqueline Bloch, toujours sur un réseau de type graphène. Expérience faite avec des polaritons de cavité. Donc, ces polaritons de cavité, j'ai eu l'occasion de les décrire assez en détail il y a une ou deux semaines. Donc, je vous rappelle en quoi ça consiste. Ce sont des microstructures de puits quantiques d'arsénure de gallium, éventuellement avec de l'aluminium. Vous mettez ces puits quantiques à l'intérieur d'une cavité résonante, c'est essentiellement des miroirs de Bragg, et ces différentes zones que vous allez faire sont couplées par ondes évanescentes. Donc, vous fabriquez des objets hybrides qui sont des objets intermédiaires entre le photon stocké entre les miroirs de Bragg et puis des excitons qui sont la partie matière de la chose, une paire électron-trou. Et vous regardez donc comment ces polaritons de cavité peuvent se propager dans le plan. Donc là, vous avez la structure hexagonale qui est bien visible. Et on peut faire, je vous rappelle, ça je l'avais décrit en détail, donc je ne reviens pas là-dessus, mais on peut faire une imagerie dans l'espace des positions pour voir quelles sont les zones dans lesquelles il y a une forte amplitude du champ de polariton. On peut également faire une imagerie dans l'espace des moments pour regarder dans quelle direction les polaritons qui se transforment en photons sortent de ces microcavités. Et on obtient la chose suivante. Donc, quand vous prenez ce système-là, que vous regardez dans l'espace des positions, eh bien, vous trouvez une belle structure hexagonale. Donc là, il n'y a pas de doute qu'on est bien dans un modèle de type graphène. Et quand vous allez regarder dans l'espace des moments, donc dans l'espace des moments, ce que vous tracez dans ce type de manip, c'est l'énergie, parce que vous envoyez la lumière dans le spectromètre, donc vous mesurez l'énergie des photons émis en fonction de QX, QY. Donc ça, il faudrait que je fasse un tracé à trois dimensions. Mais là, on fait une coupe, disons. Je choisis un certain QX et je trace en fonction de QY, je trace l'énergie. Et là, la coupe est faite de manière à passer à travers un point de Dirac. Et effectivement, on voit très bien ici cette relation de dispersion linéaire, donc de l'énergie des photons émis, l'énergie mesurée par photoluminescence, en fonction de QY. L'axe QX serait perpendiculaire au tableau et on s'est mis ici juste au niveau d'un point. Si on traçait en fonction de QX et de QY à la fois, on aurait ici un cône qui tournerait. Là, comme on fait une coupe, on voit simplement ces deux branches qui sont donc deux branches linéaires donc qui traduisent l'aspect relativiste du mouvement. Bien. Je voudrais revenir maintenant sur cet enroulement du vecteur petit h ou du vecteur petit n, h sur module de h, autour d'un point de Dirac. Et
je voudrais maintenant vous décrire une expérience qui a été faite à Munich avec des atomes, cette fois-ci, dans laquelle on a pu montrer une manifestation de cet enroulement. Alors, quelle manifestation est-ce qu'on peut attendre ? Eh bien, à partir du moment où j'ai un enroulement d'un vecteur comme ça qui me détermine des états propres pour un spin 1,5, vous savez que très probablement, ce qui va apparaître, c'est une phase géométrique. Et c'est bien ça qui est en question ici. La question qu'on va se poser, c'est, imaginons que je prenne une particule, donc en l'occurrence un atome, et que cette particule, je sois capable de lui faire suivre dans l'espace des moments, de la conduire dans l'espace des moments et la faire tourner comme ça autour d'un point de Dirac, eh bien, je peux me demander, est-ce qu'il y a une conséquence de cette structure particulière du vecteur petit h ou du vecteur petit n sur la phase accumulée par ma particule si je suis capable de la faire bouger comme ça dans l'espace des moments. Alors, en fait, on a tous les outils pour répondre à cette question. Le vecteur petit n, eh bien, il reste sur l'équateur de la sphère de Bloch, quand on a ça. Il est donc en permanence dans le plan XY. Puisqu'il tourne de 2π comme ça, ça veut dire qu'il va décrire un angle solide de 2π dans le processus de cette rotation. Et je sais à ce moment-là que si j'ai à faire un pseudo-spin 1,5 qui suit donc adiabatiquement ce vecteur-là, eh bien je sais que la phase géométrique accumulée par ce pseudo-spin 1,5, c'est la moitié de l'angle solide. Donc c'est 1,5 de 2π, c'est donc une phase géométrique de π. Donc question, est-ce que cette phase géométrique est mesurable ? Et c'est ça qu'a testé la manip faite à Munich. Alors c'est l'équipe de Uri Schneider, dans le groupe d'Immanuel Bloch, qui a fait cette chose-là. Le titre de leur article, c'était « An Aronoff-Bohm interferometer for determining block band topology ». Je vais dire dans un instant pourquoi Aronoff-Bohm vient ici. À ce stade, étudions simplement la topologie de testée par cet interféromètre. L'expérience qu'ils ont faite, c'est assez directement inspiré de ce qu'on a vu la dernière fois pour mesurer la phase de Zach à une dimension. C'est de nouveau un interféromètre du type pi sur 2, pi sur 2, dans lequel on utilise des impulsions micro-ondes. Donc le point de départ, c'est on prend une assemblée d'atomes préparés essentiellement dans le quasi-moment, enfin dans le moment de bloc, Q égale 0, donc au centre de la zone de Brillouin. Et ces atomes sont préparés dans un état donné de spin, que j'ai représenté ici par un spin plus. Alors là, quand je vous parle de spin, attention, c'est le vrai spin. Ce n'est pas le pseudo-spin 1,5 qui me sert à paramétrer sur la sphère de Bloch mon état orbital. Là, ce que je vous parle, c'est du moment magnétique qu'ont les atomes. Je vais peut-être plutôt parler de moment magnétique que de spin pour éviter la confusion. Donc les atomes sont préparés dans un moment magnétique pointant vers le haut. Première étape, c'est l'impulsion pi sur 2. Je fais une impulsion pi sur 2 sur ces moments magnétiques, donc l'état externe reste Q égale 0, le moment de bloc reste Q égale 0. Maintenant, j'ai une superposition de mes atomes dans l'état moment magnétique vers le haut et moment magnétique vers le bas. Et ce que je veux, c'est donc faire bouger mes atomes dans l'espace des moments pour leur faire explorer le tour de ce point-ci. Pour faire ça, eh bien, on va soumettre les atomes à deux forces. Une première force, c'est une force de Stern-Egerlach. Donc, je vais mettre un gradient de champ magnétique. Le gradient de champ magnétique va créer une force magnétique le long de la direction Y, ici, ce qui va faire que le moment magnétique pointant vers le haut va être accéléré vers le haut, le moment magnétique pointant vers le bas va être accéléré vers le bas. Donc, mes deux paquets d'ondes correspondant au moment magnétique haut et bas vont se séparer le long de l'axe Y. Mais ça ne suffit pas. Je ne veux pas simplement bouger le long de l'axe Y, je veux aller faire le tour de ce point-ci. Donc, en même temps, il me faut une force le long de l'axe X, qui est la même pour les deux états de moment magnétique. Et cette force-là, ça va être une force d'inertie, c'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre réseau et on va le bouger dans le référentiel du laboratoire. Et ça peut se faire simplement en prenant les ondes lumineuses qui créent le réseau hexagonal. Je ne l'ai pas dit, mais c'est simplement le réseau optique qui est composé par trois ondes lumineuses à 120 degrés l'une de l'autre. Et si je décale une fréquence par rapport aux deux autres, le réseau va bouger dans le référentiel du laboratoire. Et donc, dans le référentiel du réseau, j'ai une force d'inertie qui apparaît. Et cette force d'inertie me fait bouger les atomes et donc me crée une force qui est la même, cette fois-ci pour les deux états de moment magnétique, et qui est donc dirigée le long de l'axe X. Donc, quand j'additionne la force Stern-Egerlach et la force d'inertie, eh bien, j'obtiens ces deux trajectoires pour le moment magnétique vers le haut et le moment magnétique vers le bas. À cet instant-ci, les paquets d'ondes sont séparés. Je fais un pulse pi. Quand je dis « je », les chercheurs de Munich font un pulse pi. Et ce pulse pi inverse la direction du moment magnétique. Donc, ce qui était un moment magnétique vers le haut devient un moment magnétique vers le bas, et inversement ici. Et je continue.
Je continue, donc la force de Schermer-Gerlach est inversée, la force d'inertie, elle n'a pas changé, bien sûr, et donc je vais refermer l'interféromètre, mais je vais le refermer, alors selon l'endroit où se produit le pôle Sopi, je le referme soit à droite du point de Dirac qui est ici, soit à gauche, si j'ai fait mon pôle Sopi un peu trop tôt, je vais refermer le point de l'interféromètre ici, et puis finalement, pour lire la phase accumulée sur cette trajectoire du haut par rapport à la trajectoire du bas, on refait un dernier pôle Sopi sur deux, et on va compter combien d'atomes sont dans l'état moment éthique pointant vers le bas. Et quand on fait ça, eh bien, on mesure la phase totale accumulée sur la branche du haut moins la phase totale accumulée sur la branche du bas. Alors, comme toujours, dans la phase totale, il y a une phase géométrique qui est celle qui nous intéresse, mais il y a également une phase dynamique qui, elle, est l'exponentielle de l'énergie fois le temps qui, elle, est moins intéressante. Alors, a priori, en fait, les deux phases dynamiques sont égales sur les deux branches. Les chercheurs de Munich l'ont vérifié précisément, et en fait, ils ont même compensé cette phase dynamique. Enfin, ils l'ont soustraite en faisant une contre-manip dans laquelle il n'y a pas de bascule de champ magnétique. Je ne rentre pas dans les détails. En tout cas, il y a moyen de se débrouiller pour que la phase dynamique ne contribue pas au signal. Et le résultat est écrit ici. Selon l'endroit où on ferme l'interféromètre, selon qu'on le ferme avant le point de Dirac ou après le point de Dirac, quand on mesure la phase, donc la phase géométrique accumulée par les atomes dans le système, eh bien, on voit un très joli saut qui vaut 0 pour des interféromètres fermés trop tôt et qui vaut plus pi pour des interféromètres fermés notablement après le point de Dirac. Voilà. Le saut ne se produit pas exactement là où on l'attendrait. On l'attendrait à 1, il se produit à 1.1. Ce que disent les gens de Munich, c'est que c'est lié à l'étendue finie des paquets d'ondes qui fait que ça décale un petit peu l'endroit où se produit le saut de 10% à peu près. Voilà, donc ça c'est une très jolie vérification de la forme des états propres finalement autour d'un point de Dirac. Donc on a vu avec la manip de polariton qu'on avait bien la bonne variation des énergies et là on a bien avec ça la bonne forme des états propres avec cet enroulement de phase. Alors je vous ai dit dans le titre là, ils appelaient ça un interféromètre de type Aronoff-Bohm. Alors pourquoi Aronoff-Bohm ? Eh bien, en fait, ce qui se passe ici, c'est assez proche du problème de Aronoff-Bohm, que je vous rappelle en deux minutes. Le problème de Aronoff-Bohm, c'était le suivant. Aronoff et Bohm considéraient une particule chargée, et ils considéraient c'est le mouvement de cette particule chargée dans un espace dans lequel il pouvait y avoir un solénoïde infiniment long, comme ceci, pour lequel donc, le champ magnétique est confiné à l'intérieur du solénoïde. La particule ne pénètre pas à l'intérieur du solénoïde, mais elle peut en faire le tour. Et la question que s'était posée à Aronoff et Bohm, c'est quelle est la phase accumulée par une particule quand elle suit un contour qui fait le tour du solénoïde par comparaison à un contour qui serait par exemple ici, qui ne ferait pas le tour du solénoïde. Donc, est-ce que la phase est la même pour une particule qui fait ça ou une particule qui fait ça? Et la réponse était non. Il y avait sur la phase géométrique une manifestation de... Enfin, ils n'appellent ça pas la phase géométrique, pour la phase de Aronoff-Bohm, mais qui peut être vue comme une phase géométrique. Il y avait une manifestation de présence du champ magnétique à l'intérieur du solénoïde, et la raison pour laquelle on peut le voir, c'est que la phase qu'on voulait calculer à partir des premiers principes, eh bien, c'est proportionnelle à la circulation du potentiel vecteur qui décrit le champ magnétique sur le contour, ici. Alors, le champ magnétique est nul sur le contour, mais le potentiel vecteur, lui, n'est pas nul. Et une bonne raison de se convaincre que ce potentiel vecteur ne peut pas être nul sur le contour, c'est que la circulation de ce potentiel vecteur sur le contour doit être égale au flux du champ magnétique à travers le contour, et je vous dis, il y a un flux non nul dans le solénoïde. Donc, cette circulation du potentiel vecteur n'est pas nulle, et plus précisément, si vous regardez quelle tête doit avoir le potentiel vecteur, alors le potentiel vecteur n'est pas parfaitement défini, je peux toujours changer de jauge et ça va changer mon potentiel vecteur, mais forcément, pour que sa circulation ne soit pas nulle, il faut qu'il ait un enroulement autour du solénoïde. Puisque quand je calcule la circulation de A, eh bien je calcule comment est-ce que varie... Enfin, je calcule une intégrale où je projette à chaque fois le potentiel vecteur sur le contour qui entoure le solénoïde. Donc, de la même façon que j'ai un enroulement du vecteur petit h ou du vecteur petit n autour d'un point de Dirac, eh bien là, j'ai un enroulement du potentiel vecteur A, et il y a vraiment une analogie formelle, complète, entre ce que les équations, finalement, que vous allez écrire pour la phase de Aronoff-Bohm pour une particule chargée autour de ce champ magnétique, et la phase géométrique que vous allez écrire pour une particule qui tourne autour d'un point de Dirac. C'est vraiment les mêmes équations, c'est les mêmes outils que vous utilisez, simplement, au lieu d'avoir le A dans un cas, vous allez avoir le vecteur H ou le vecteur N dans l'autre. Voilà, donc c'est pour ça que
les chercheurs de Munich avaient intitulé leur article avec les noms de Aronoff-Bohm à l'intérieur, bien qu'il n'ait pas de particules chargées et qu'il n'ait pas de champ magnétique. Bien, alors, une fois qu'on a posé donc tout ça, je voudrais maintenant passer au problème vraiment qui va nous intéresser maintenant, c'est-à-dire caractériser la topologie dans ces réseaux à deux dimensions. Et comme j'ai dit, je vais commencer par une caractérisation géométrique. Donc, prenons toujours des cellules de l'unité à deux sites, pour l'instant. Je me mets toujours dans le régime des liaisons fortes, donc je suis toujours affaire à des matrices 2 par 2 pour mon hamiltonien H indice Q, paramétré par le moment de bloc, que je peux écrire comme combinaison linéaire, donc de manière très générale, de l'identité et puis des trois matrices de Pauli avec un vecteur H avec trois composantes, Hx, Hy, Hz. Si je le développe, eh bien, ça aura cette structure-là. Hein. E0 moins Hz, E0 plus Hz, ça c'est le moins Hz et le plus Hz, c'est la matrice sigma Z, et puis donc sigma x et sigma y qui viennent me donner ici du hx et hy, ici avec un plus i et un moins i. Ce que vous avez en haut à gauche, je vous rappelle, ce sont simplement les couplages de type A avec A, donc vous avez l'énergie d'un site A, et puis vous avez les couplages entre sites A adjacents. Ici, vous avez les couplages BB, donc l'énergie d'un site B plus les couplages BB, et ce que vous avez en dehors de la diagonale, eh bien, ce sont les couplages de type AB ou BA. C'est ce qu'on a vu pour le graphène. Les énergies sont simplement E0 plus ou moins module de H, je ne vais pas le refaire, et les états propres sont déterminés par ce vecteur petit n, H sur module de H, qui est donc caractérisé par des angles θq et φq que je calcule une fois que je connais Hx, Hy et Hz. Et donc finalement, sur le plan purement mathématique, eh bien, la caractérisation d'un problème à deux dimensions, c'est partant de la zone de Brillouin pour mon problème, alors là j'ai redessiné une zone de Brillouin hexagonale si j'ai le réseau du graphène en tête, mais la zone de Brillouin peut avoir une forme variée selon le type de problème que je considère, c'est donc caractérisé par une application où je prends mon vecteur Q dans ma zone de Brillouin, donc j'ai deux composantes Qx, Qy, et j'envoie ce vecteur Q sur un vecteur n qui a trois composantes réelles qui vont être cosinus phi q, sinus theta q, c'est ce que je paramètre avec mes angles polaires et azimutaux ici, sinus de l'angle azimutal, sinus de l'angle polaire theta q, et puis cosinus theta q. Donc finalement, comprendre, d'un point de vue mathématique, la topologie dans un espace à deux dimensions, c'est comprendre comment est-ce que j'envoie quelque chose qui a dans un espace à deux dimensions ici sur autre chose qui est également à deux dimensions, c'est-à-dire c'est la surface de cette sphère de bloc. D'accord ? Donc, sur le plan mathématique, c'est ça. C'est une application d'un espace à deux dimensions vers un autre espace à deux dimensions, la surface de la sphère de bloc. Comment se fait cette application? Où est-ce que les points qui sont ici vont se mettre sur cette sphère? Et une fois que vous avez ça, eh bien, normalement, vous avez tout pour caractériser la topologie, une fois que vous avez cette application. Alors, c'est là qu'intervient la notion d'enveloppement de la sphère de bloc. Donc là, je vais finalement vous donner le résultat sans justification. La justification viendra à partir de considérations physiques un petit peu plus tard. Mais néanmoins, même si je n'ai pas de justification formelle, je peux quand même procéder par analogie. Quand on était à une dimension, par exemple, quand on regardait le problème SSH, eh bien, la manière dont on avait caractérisé la topologie, c'était en se demandant, quand je décris toute ma zone de Brillouin, qui à l'époque était simplement un segment à une dimension, de longueur 2 pi sur a, eh bien, est-ce que je faisais le tour de ma sphère de bloc dans le problème SSH ou est-ce que je faisais simplement un aller-retour comme ça? Donc, quand je faisais le tour complet, eh bien, je disais que j'avais affaire à une bande topologique. Quand je me contentais de faire un petit aller-retour et revenir au point de départ, je disais que j'étais dans une situation normale. Eh bien, pour mon problème à deux dimensions, maintenant, a priori, je peux m'attendre à envoyer quelque chose qui est une surface sur une portion de surface de la sphère de bloc. Et donc, la question que je vais me poser, c'est est-ce que je couvre toute la sphère de bloc, comme ceci, ou est-ce qu'au contraire, je n'en couvre qu'une partie? Si je n'en couvre qu'une partie, eh bien, on va dire qu'on est dans une situation qu'on peut qualifier de normale, parce que finalement, couvrir toute cette partie, ça peut être, je peux déformer continuellement pour me ramener à un seul point, auquel cas, j'ai plus de topologie intéressante. Si au contraire, je la couvre d'une manière qui ne peut pas être défroissée, c'est-à-dire je ne peux pas continuellement déformer mon hamiltonien pour passer d'une couverture totale à quelque chose qui est un point, à ce moment-là, je dirais que j'ai affaire à une situation topologique.
Donc encore une fois, là, je ne suis pas en train de vous faire une preuve. La preuve va venir plus tard quand on va faire des considérations physiques sur le transport. Mais j'espère que, vu ce qu'on avait compris à une dimension, cette chose-là ne semble pas trop exotique comme condition. Alors, comment est-ce que les mathématiciens peuvent nous caractériser cette façon d'envelopper la sphère de Bloch de manière que je qualifie d'indéfroissable? Eh bien, là encore, ils nous fournissent une formule, un peu comme à une dimension. À une dimension, si je voulais voir si j'entourais ou non complètement mon équateur ici, eh bien, un bon moyen de caractériser ça, c'était de calculer le nombre d'enroulements. Je prenais l'angle azimutal phi, je prenais l'intégrale sur toute la zone de bruit loin de moins pi sur a plus pi sur a de d phi sur dq fois dq, et si j'avais un enroulement complet, eh bien, phi croissait d'une valeur 0 à la valeur 2pi, donc cette intégrale valait 2pi, je mets un 1 sur 2pi devant, donc j'avais un n égal à 1, donc j'avais un nombre d'enroulements égal à 1, donc j'avais ma situation topologique. Eh bien, là, maintenant, à deux dimensions, ce que nous proposent les mathématiciens, c'est une formule de géométrie différentielle, qui est un petit peu moins simple à écrire que celle-ci, mais qui est... Bon, on comprend ce qu'il y a. Vous prenez votre vecteur n, donc encore une fois, ce vecteur n, c'est un vecteur qui est unitaire, qui est donc sur la sphère de Bloch. Vous prenez sa dérivée par rapport à qx, donc vous avez un autre vecteur à trois dimensions. Vous prenez sa dérivée par rapport à qy, vous avez un autre vecteur à trois dimensions. Vous prenez le produit vectoriel des deux, ça vous donne un troisième vecteur à trois dimensions, et vous prenez son produit scalaire avec le vecteur initial petit n. Et vous intégrez ça sur dqx, dqy, et ça, eh bien, c'est quand vous le divisez par 1 sur 4pi, vous trouvez un nombre entier, et ce nombre entier, eh bien, il vaut 0 si vous ne couvrez pas complètement la sphère, et il vaudra quelque chose de différent de 0 si la sphère est couverte de manière non défroissable, comme je l'ai dit. Donc voilà, encore une fois, ça va prendre tout son sens quand on va étudier la physique, mais à ce stade, voilà le critère que nous proposent les mathématiciens. Ce critère d'enveloppement, je voudrais quand même vous rappeler, je ne le sors pas complètement du chapeau, il était apparu quand j'avais regardé des contours un petit peu compliqués, c'était à la fin du cours de la semaine dernière, quand j'avais étudié les pompes adiabatiques, et que j'avais regardé si dans ma pompe adiabatique, j'avais ou non un transfert de masse non nulle, quantifié en unité du réseau, eh bien, on avait vu apparaître cette notion de couverture complète de la sphère de Bloch. Bien, c'est cette chose-là que je vous repropose aujourd'hui. Simplement, au lieu d'avoir Q et puis T comme variable, comme la dernière fois, maintenant j'ai QX et QY. Mais sur le plan formel, c'est un critère qui est complètement équivalent. Alors, regardons quelques cas particuliers. On va commencer par le graphène, bien sûr, puisque lui, on a complètement caractérisé son hamiltonien. Donc, je vous ai dit que pour le graphène, je prenais E égale EB, pas de couplage au second voisin. Donc, H n'a pas d'éléments diagonaux. Donc, si H n'a pas d'éléments diagonaux, ça veut dire, j'ai déjà eu l'occasion de le mentionner, H reste dans le plan XY, HZ égale 0, donc je vais tout le temps rester sur l'équateur de la sphère de Bloch. C'est une situation qui est, comme je l'ai dit, très marginale sur le plan de la topologie. Il y a des manifestations topologiques liées pour le graphène, mais qui sont marginales dans le sens où je suis en train d'envoyer quelque chose qui a pris une surface à deux dimensions sur une ligne. C'est simplement parce que j'ai, encore une fois, hz égale 0, mais il ne suffira de pas grand-chose pour rendre hz non nul et pour transformer cette ligne en un domaine à deux dimensions sur cette sphère. Donc c'est de ce point de vue-là que je la qualifie de marginale, cette situation. Donc je ne vais pas en dire plus sur le graphène ici, à ce stade, et on va se poser la question, comment est-ce que je peux passer d'une ligne à quelque chose qui est plus une surface sur la sphère de Bloch quand je varie qx et qy? Alors un moyen simple, eh bien, c'est de se dire, bon ben, le graphène, j'avais Hz égale 0 parce que j'avais mis la même énergie au site A et B, mais supposons que ces sites A et B sont un petit peu dissymétriques et donc que l'énergie du site A n'est pas la même que celle du site B. Alors si j'appelle moins delta l'énergie du site A et plus delta l'énergie du site B, donc 2 delta c'est la différence EB moins EA, et bien donc ça revient à mettre, à cause du sigma que j'ai mis en facteur ici, je mets un delta en haut à gauche dans ma matrice, un moins delta en bas à droite dans ma matrice. À ce moment-là, mon vecteur hz, il n'est plus dans le plan xy, hein, il va avoir une composante selon z non nulle, mais ce que vous voyez immédiatement, c'est que hz vaut delta, ici, hein, puisque la matrice sigma z, c'est 1 et 1 moins 1, donc hz, c'est plus delta. Donc, si je prends delta positif pour fixer les idées, eh bien, mon vecteur h va toujours rester dans l'hémisphère nord, hein, puisqu'il a toujours un hz positif, donc il va toujours rester dans l'hémisphère nord. Donc quand je vais balader qx et qy dans ma zone de bruit loin, eh bien voilà ce que je vais obtenir. Donc là, j'ai pris mes points qx, qy répartis uniformément, tirés aléatoirement dans la zone de bruit loin, et voilà quelle a été leur image
sur la sphère de Bloch pour mon vecteur H. D'accord ? Donc, je trouve effectivement quelque chose qui est toujours dans l'hémisphère nord. Donc, je n'ai pas une couverture complète de ma sphère de Bloch. Donc, si je crois mon critère topologique, eh bien, cette chose-là, c'est ce qu'on dit, appelle topologiquement trivial ou alors une normale. Il n'y a pas de topologie associée à ça. Ce n'est pas suffisant de mettre simplement une énergie différente pour le site A et B pour avoir de la topologie. Certes, je suis parti de l'équateur, par rapport au graphène où j'étais sur l'équateur, je suis parti de l'équateur, mais je suis parti d'une manière qui n'est pas intéressante sur le plan topologique. Alors, question, comment est-ce qu'on fait pour obtenir une couverture totale? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, vous vous rendez compte que pour une couverture totale, il faut au moins atteindre à la fois le pôle nord et le pôle sud. Donc, on ne peut pas se contenter de mettre quelque chose de constant sur la diagonale ici. Il faut mettre quelque chose qui dépend lui aussi de Q. Et dire que j'ai quelque chose qui dépend de Q là et là, ça veut dire que, en fait, il faut que je mette des couplages au moins au second voisin d'un site A vers les autres sites A. Et ça, ben, c'est Alden qui l'a compris le premier. Et c'est son modèle qu'on verra au prochain cours. Bien. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire sur le plan mathématique. En plan mathématique, eh bien, on cherche à couvrir complètement la sphère de Bloch. Bon, c'est un théorème qu'on se donne. Maintenant, il faut quand même voir si ça correspond à quelque chose de physiquement intéressant. Et regardez ça, eh bien, c'est revenir à la base, finalement, de la topologie dans ces problèmes à deux dimensions, c'est l'effet Hall, l'effet Hall quantique. Donc, l'effet Hall quantique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour le rappeler de manière très, très simple, hein, très, très simplifiée, je devrais dire, c'est la chose suivante. Vous prenez un gaz 2D d'électrons, vous le confinez dans un puits quantique, donc le mouvement selon Z des électrons est complètement figé, je peux oublier ce degré de liberté-là. En revanche, les atomes peuvent bouger dans le plan XY. Je prends un échantillon qui est rectangulaire, disons, pour fixer les idées. Donc, ce côté-là mesure LX, ce côté-là mesure LY. Je plonge ce gaz dans un grand champ magnétique qui est perpendiculaire au plan des électrons, donc perpendiculaire au plan de la figure, orienté selon Z. J'applique une certaine tension VX entre ce bord-ci de l'échantillon, le bord gauche et le bord droit, ce qui veut dire que, si vous préférez que j'applique un champ électrique EX, ce qui est donné simplement par VX égale EX fois la longueur LX, et dans un modèle simple, où je néglige tout type d'écrantage et tout ça, ça veut dire que sur mes porteurs de charge, donc une charge électrique petit e, eh bien j'ai une force FX qui s'applique, qui est la charge E fois le champ électrique E, enfin E rond de X. Et quand on fait ça, eh bien on voit un courant apparaître le long de la direction Y, courant que j'appelle IY, Y se mesure en ampères, donc. Vous pouvez préférer travailler en termes de densité de courant. Donc, vous prenez le courant Y, vous le divisez par la largeur de l'échantillon LX. Donc, Y sur LX, ça sera la densité de courant JY. Et ce qu'on me trouve dans une expérience, c'est qu'au moins, si on n'envoie pas des trop grands, si on ne met pas des trop grands courants ou des trop grosses tensions, donc des VX relativement petits et des Y relativement petits, eh bien, on a une relation de proportionnalité entre Y et VX. Ça, c'est une relation générale pour l'effet Hall. On a un tenseur de conductivité, sigma yx, qui relie la tension Vx au courant selon y. Et encore une fois, si vous préférez travailler en termes de densité de courant, eh bien, cette même relation, si vous divisez tout par Lx ici, vous avez jy égale sigma yx fois le champ électrique ex. Et toute la beauté de l'effet Hall quantique, eh bien, c'est que cette conductance est quantifiée, c'est-à-dire que le sigma yx qui apparaît ici ou là, eh bien, c'est simplement le produit de constante fondamentale, le carré de la charge divisé par la constante de Planck, fois un nombre entier petit n. Et ce nombre entier petit n, ce qu'on a compris dans les années 80, c'est qu'il avait une origine topologique, c'était la nature topologique des bandes d'énergie dans le problème qui donnait cette quantification de la conductance. En l'occurrence, les bandes d'énergie, si je prends une particule qui n'est pas dans un réseau mais qui peut bouger de manière libre dans le plan XY, les bandes d'énergie sont les niveaux de Landau, sur lesquels on reviendra dans deux semaines, je crois. Et ces bandes d'énergie, tout comme les bandes d'énergie qu'on considère aujourd'hui, ont une nature topologique non triviale, et c'est leur nature topologique qui crée cette quantification petit n. Donc c'est ça que j'aimerais maintenant voir avec vous. Alors pour ça, eh bien, il s'agit d'établir les équations du mouvement dans une bande, quand je prends une particule et que je la soumets à une force grand F. Donc, ce qui joue le rôle de la force grand F dont je vous parle ici, c'est l'équivalent du champ électrique le long de l'axe X
que j'avais tout à l'heure. Hein, c'est ça la force grand F. Donc, je vais me restreindre à la bande fondamentale pour simplifier la notation. Donc, je vais supposer que j'ai une particule qui est préparée dans la bande fondamentale et je vais supposer qu'elle est un paquet d'ondes centré autour d'un moment de bloc particulier que j'appelle petit QI, qui est donc un point dans le point QX, QY. Je prends cette particule ici et j'applique donc à cette particule une force grand F qui est encore une fois l'équivalent du champ électrique qui apparaît dans l'effet Hall, qui apparaissait entre les deux côtés verticaux de mon échantillon. Et bien là, j'applique une force grand F qui est donc uniforme dans l'espace. Et je me pose la question des équations du mouvement pour ma particule. On a deux équations du mouvement pour déterminer le moment de cette particule. La première équation du mouvement me dit comment évolue le moment petit q, le moment de bloc. Et ça, c'est quelque chose auquel j'ai déjà fait allusion plusieurs fois dans ce cours. C'est un phénomène qui donne naissance aux oscillations de bloc. C'est une équation très simple. Ça me dit simplement que Q, le moment de bloc, va croître linéairement avec le temps, si ma force est constante dans le temps, va croître linéairement avec le temps, avec donc, l'équation du mouvement, H bar dQ sur dT égale à la force. Donc ça, je vais vous expliquer, je vous l'avais promis, donc je vais vous expliquer à la diapositive précédente comment on montre ça. Deuxième équation du mouvement me dit comment on bouge dans l'espace des positions. La première me dit comment je bouge dans l'espace des moments. La seconde équation me dit comment je bouge dans l'espace des positions. Et elle prend cette forme-là. Donc h bar, la dérivée de la position moyenne de mon paquet d'ondes par rapport au temps, ce qui est donc h bar fois la vitesse. Hein, la vitesse, c'est la dérivée de la position, ça ne change pas. Eh bien, la vitesse est composée de deux termes. Premier terme, gradient q de l'énergie EQ0. Je vous rappelle que je me prends la bande fondamentale, donc ça c'est l'énergie de la bande fondamentale pour le moment Q, plus un deuxième terme, oméga Q vectoriel F. Ce premier terme, c'est simplement la vitesse de groupe. Ça, c'est quelque chose que vous avez tous vu, j'en suis sûr. C'est le fait que quand je prends une onde avec une certaine relation de dispersion, donc une relation qui me relie le vecteur d'onde ou le moment Q à l'énergie E de Q, eh bien la vitesse d'un paquet d'ondes, c'est la dérivée de E de Q par rapport à Q. Si vous êtes à deux dimensions, c'est le gradient de E de Q par rapport à Q, c'est la vitesse de groupe pour un paquet d'ondes. Donc là, aucune surprise. Le deuxième terme, lui, est un peu plus surprenant, et d'ailleurs, on l'appelle vitesse anormale, donc ça vous dit bien qu'il est surprenant. Enfin, la vitesse anormale, pour être rigoureux, c'est ça divisé par h bar, puisque là, je suis en train de regarder h bar fois v. Donc ça, c'est la vitesse anormale. Et cette vitesse anormale fait donc intervenir la force grand F que j'applique, ça, c'est un peu normal, et puis grand oméga Q ici, où oméga Q, eh bien, c'est la courbure de Berry pour la bande fondamentale. Alors, la courbure de Berry, je vous rappelle comment je la définis. Je commence par définir la connexion de Berry. La connexion de Berry, là aussi, je vous rappelle ce que c'est. Je prends, ça dépend de petit q, le moment. Donc, je prends un état propre de la bande fondamentale UQ. Je prends son gradient par rapport à Q. Et je prends le produit scalaire de l'état propre par rapport à son propre gradient. Et je multiplie par I. Et ça, on peut vérifier que c'est une quantité qui est bien une quantité réelle. Et c'est ce que j'appelle la connexion de Berry. Et ensuite, je prends le rotationnel de cette connexion de Berry et j'obtiens la courbure de Berry. Et comme ça, c'est orienté selon XY, quand je prends le rotationnel, j'obtiens quelque chose qui est orienté selon Z. Vous pouvez faire le calcul explicitement, donc en prenant toutes les dérivées partielles comme il faut. Cette courbure de Berry oméga Q, c'est en fait le produit scalaire dérivé par rapport à QX de UQ fois dérivé par rapport à QY de UQ, avec un i devant, plus le complexe conjugué. Donc, oméga q est une quantité qui est réelle, elle aussi, la courbure de Berry, et si vous devez la calculer explicitement, ben, vous pouvez utiliser cette formule-là. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette vitesse de groupe ? Là, ben, vous voyez, cette vitesse anormale, excusez-moi. Cette vitesse anormale, donc, c'est le produit vectoriel d'un vecteur qui est selon z, hein, donc perpendiculaire au plan ici, et puis qui va être aussi perpendiculaire à f. Donc, si je prends ma force f le long de l'axe x, eh bien, cette vitesse anormale est le long de l'axe Y. D'accord ? Et ça, bon, vous commencez à me voir venir, puisque l'effet Hall, c'est jamais rien d'autre que ça. L'effet Hall, c'est j'applique une force dans une direction, et hop, les particules bougent dans la direction perpendiculaire. Eh bien, tout va venir de la vitesse anormale. Tout l'effet Hall vient de là. Donc, c'est ça que j'aimerais vous montrer maintenant. Donc, je vais vous prouver donc, ces deux équations du mouvement. Quand je dis je vais vous les prouver, je vais vous esquisser la démonstration. Il y a des aspects un petit peu techniques qui sont faits dans les notes, mais ce que je voudrais, c'est que vous ayez les grandes lignes
pour vous vérifier que ça ne sort pas, d'un chapeau mystérieux. Donc je vais commencer par cette formule-ci. Cette formule-ci, j'ai déjà eu l'occasion de la prouver dans des cours précédents, en fait c'était il y a même assez longtemps maintenant, ça devait être il y a 5 ou 6 ans, je crois que c'était le cours 2012-2013, où là j'avais passé pas mal de temps pour démontrer, pour expliquer les équations de bloc, les oscillations de bloc, excusez-moi, à une dimension. Donc là, je vous fais un schéma de cette démonstration. Donc, je prends mon Hamiltonien d'une particule de masse petit m dans un potentiel périodique V de R, j'applique une force extérieure grand F, et l'Hamiltonien de ma particule devient donc P carré sur 2m plus V de R périodique moins F scalaire R. C'est la manière, j'ajoute ce potentiel moins F scalaire R pour prendre en compte la force. Alors, à première vue, quand on fait ça, on se dit, oh là, mais c'est terrible, parce que je perds la périodicité de mon Hamiltonien à cause de ça, donc j'ai plus le théorème de Bloch, je ne sais plus quoi dire. Alors, heureusement, le théorème de Bloch, on peut le récupérer en faisant une transformation unitaire assez simple. Il suffit de faire la transformation unitaire générée par cet opérateur unitaire-là, U, qui est simplement l'exponentielle de moins I, l'opérateur position R scalaire A de T, où A de T, c'est simplement l'intégrale de la force. Ma force peut dépendre du temps, donc l'intégrale de la force sur le temps. Et donc, cette translation unitaire, elle est très simple, parce que tout ce qu'elle se contente de faire, c'est prendre mes fonctions de bloc, dont je vous rappelle ce que c'est, hein, c'est l'onde plane et puissance IQ scalaire R fois une fonction périodique, et je les multiplie, ces ondes planes, puissance IQ scalaire R, par et puissance moins I A scalaire R. Donc finalement, je passe du moment Q au moment Q tilde égale Q moins A, quand je multiplie l'onde plane par ça. Et quand on fait ça, et puis qu'on fait donc toute la machinerie d'une translation unitaire, eh bien on trouve que l'Hamiltonien transformé de ce H de T, là, c'est H tilde qui est écrit ici, qui est P plus H bar A au carré sur 2M plus V de R. Et là, coup de chance, cet Hamiltonien, lui, est bien périodique d'espace, hein, puisque A de T ne dépend pas de l'espace, ici, A de T simplement cette intégrale, là. Donc la seule dépendance en l'espace, c'est le V de R qui est périodique. Donc je récupère un problème périodique. Ce problème-là n'est pas périodique d'espace, mais celui-là l'est. Donc pour celui-ci, pour ce problème-là, je peux utiliser le théorème de Bloch. Et le théorème de Bloch, qu'est-ce qu'il me dit? Eh bien, il me dit d'abord que si je pars d'un état de Bloch à l'instant t égale 0, je vais rester dans un état de Bloch pour le problème transformé à l'instant t, et que le moment de Bloch ne va pas être changé, c'est-à-dire que Q tilde va rester constant à sa valeur initiale. Et puis, ce que me dit aussi le théorème de Bloch, couplé au théorème adiabatique, c'est que si la force F est suffisamment faible, eh bien, en fait, je vais rester dans la bande fondamentale, c'est-à-dire que je ne vais pas aller peupler les bandes supérieures. Si je n'ai pas de dégénérescence, en particulier pas de point de Dirac, si mes bandes ne se touchent pas, je vais rester dans la bande fondamentale tout le temps au cours de l'évolution temporelle. Donc ça, c'est très agréable. Ça résout finalement complètement le problème pour l'Hamiltonien transformé. Et maintenant, il suffit de revenir aux états non transformés. Donc ça, c'est très simple, puisque je vous dis que je passe des états non transformés aux états transformés simplement en soustrayant A à Q pour passer à Q tilde. Donc si maintenant je connais Q tilde et je veux repasser à Q, il faut que j'ajoute A. Donc ça veut dire que mon moment de bloc non transformé, Q de T, ce sera l'état de départ plus A. Hein, c'est le moins A ici qui est devenu un plus A quand je repasse de l'autre côté du signe égal. Et donc si Q de T égale Q0 plus A, si je prends la dérivée de Q par rapport au temps, eh bien je dois prendre la dérivée de A par rapport au temps. La dérivée de A par rapport au temps, c'est simplement 1 sur H bar fois la force. Et ça m'établit la première équation du mouvement, à savoir H bar dq sur dt égale la force. Ça, c'est donc ce qui me donne naissance aux oscillations de Bloch. Bien. Deuxième équation, la vitesse anormale. Alors, comment trouver la vitesse anormale? Je vous dis, j'utilise le théorème adiabatique, hein, c'est ce que j'ai fait à la diapositive précédente, qui me dit donc que si je pars dans la bande fondamentale et que j'applique ma force F, je vais rester en bonne approximation dans la bande fondamentale si ma force F n'est pas trop grande. Mais il y a quand même des corrections à cette approximation adiabatique. Ces corrections, je vous avais mentionné au tout premier cours en vous disant que ça nous servirait un jour. Eh bien, le moment est arrivé. Il faut regarder quand même ces corrections si on veut évaluer le transport. Alors, ces corrections, à quoi elles ressemblent? Eh bien, elles peuvent s'écrire de la manière suivante. Si vous regardez l'état à l'instant T, donc quand j'ai appliqué ma force et je regarde un instant T ultérieur, dans quel état est ma particule, eh bien, le terme dominant, c'est que je suis resté dans la bande fondamentale, c'est donc le U0 de la bande fondamentale avec le moment de bloc Q de T, ça c'est la première partie de l'équation de mouvement, mais j'ai une petite contamination quand même, petit habillage si vous voulez,
de l'état U de T par les autres états des autres bandes, les UQN ici, et l'amplitude d'un UQN, c'est ce coefficient-là, ça fait intervenir le produit scalaire entre le UN et la dérivée par rapport au temps de U0. Pourquoi est-ce que U0 dépend du temps ? Eh bien parce qu'il dépend de Q, et Q dépend lui-même du temps. Donc cette chose-là, finalement, ça va être proportionnel à la force, hein, puisque si je prends la dérivée par rapport au temps de Q de T, c'est la force, c'est juste le résultat de la diapositive précédente. Donc ça, c'est quelque chose qui proportionnel à la force, et c'est divisé par un dénominateur d'énergie. Donc plus mes bandes sont bien séparées, plus ce terme-ci sera petit, mais en toute rigueur, il n'est pas nul. Et il faut que je le garde, vous allez voir, pour, si je veux évaluer mon transport. Donc ce terme-là, hein, je répète, c'est un couplage aux bandes excitées qui va être linéaire en force si je prends cette dérivée par rapport au temps de Q de T et si je me souviens que dq sur dt, c'est simplement 1 sur h bar fois la force. Donc maintenant, calculons la vitesse moyenne de mon paquet d'ondes, puisque c'est ça qui m'intéresse, c'est la vitesse. Donc je prends l'état de mon paquet d'ondes, qui est donc l'onde plane avec le moment Q de T fois le vecteur U de T qui est écrit ici, en sandwich entre l'opérateur vitesse, qui est simplement l'opérateur impulsion divisé par la masse. L'opérateur impulsion, c'est toujours, en mécanique quantique, moins I h bar fois le gradient par rapport à R. Et ensuite, et ben là, c'est là qu'il y a une petite machinerie à faire. Il y a deux lemmes que j'avais mis dans les notes de la semaine dernière, dans les appendices, que vous pouvez aller, ces lemmes, vous pouvez aller les voir. C'est des outils habituels en physique quantique, vous jonglez avec les commutateurs. Le point, c'est que vous avez ici des dérivés par rapport à R qui interviennent ici, et puis des dérivés par rapport à Q. Donc il faut bien jouer avec ces dérivés pour arriver aux expressions algébriques que j'écris ici. Encore une fois, il n'y a pas de malice là-dedans, il faut juste prendre son temps et essayer de ne pas se tromper dans les facteurs 2 et dans les signes. Donc je calcule cette chose-là. Le terme prépondérant, bien sûr, ça va être la contribution de U0. Donc si je mets U0 à gauche ici, et puis U0 à droite là, je prends en sandwich P sur M, donc en utilisant un des deux lemmes, je peux écrire que le terme d'ordre 0 me donne simplement le gradient EQ de EQ0, c'est la vitesse de groupe. Donc si je néglige complètement les corrections qui sont écrites ici, je trouve simplement que ma vitesse, c'est la vitesse de groupe. Pas de surprise. Mais si maintenant je prends le terme d'ordre 1 en F, donc je vous rappelle que ça c'est d'ordre 1 en F à cause du D sur DT de Q qui intervient ici, alors je peux prendre le terme d'ordre 0 à gauche fois le terme d'ordre 1 ici, ou si vous préférez, et puis il faut aussi ajouter, c'est pas si vous préférez, il faut aussi ajouter le terme d'ordre 1 à gauche et puis le terme d'ordre 0 à droite. Voilà, j'ajoute les deux, et en faisant ça, eh bien, j'obtiens quelque chose qui est exactement l'expression de la vitesse anormale que j'ai écrite tout à l'heure, c'est-à-dire quelque chose qui est linéaire en F, vectoriel, 7, courbure de Berry, grand oméga, qui fait intervenir, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les dérivés de U, Q0 par rapport à QX et par rapport à QY. C'est ce qui sort de ça quand vous prenez correctement les dérivés. Donc cette vitesse, elle s'appelle vitesse anormale. Je ne suis pas sûr que le nom soit très bien choisi. Les premiers à l'avoir trouvé sont Karplus et Luttinger en 1954. Eux ne l'ont pas appelée vitesse anormale. La dénomination apparaît en anglais, anomalous velocity, dans un article de quelques années supérieures, en 1959, par Adams et Blount. Je ne sais pas si cette vitesse est vraiment anormale. En tout cas, d'une manière assez curieuse, elle ne figure pas dans la plupart des traités des années 60-70 de physique des solides. Par exemple, si vous prenez la Ashcroft et Mermin, qui est une des bibles de la physique des solides, ben, cette vitesse-là ne figure pas, c'est-à-dire que vous n'avez que la vitesse de groupe. Or, comme on va le voir, elle est essentielle, cette vitesse, pour rendre compte de l'effet Hall quantique. Donc, anormal ou pas, il ne faut pas l'oublier. Quoi. Voilà. Alors, regardons l'effet Hall, justement, maintenant. Regardons la conductance, donc, d'une bande, de la bande fondamentale, puisque c'est elle qui m'intéresse. Et là, je vais la supposer pleine, ma bande fondamentale. C'est un argument qui est essentiel, c'est un point qui est essentiel pour que l'argument soit valable. Donc je prends ma bande fondamentale pleine, ce qui veut dire que, et je vais prendre toutes les autres vides, ça veut dire que je prends une particule par cellule unité, et donc ça a comme conséquence immédiate que si je prends l'état fondamental de mon système, la bande fondamentale est pleine et toutes les autres bandes sont vides. Et je fabrique donc comme ça ce qu'on appelle un isolant de bande, puisque j'ai peuplé jusqu'à un certain niveau d'énergie. Ensuite, j'ai un gap d'énergie. Puis après, j'ai les bandes excitées qui sont vides, donc j'ai un isolant de bande. J'applique une force F faible, disons selon l'axe X, et je me pose la question, quel est le courant de particules ? Alors le courant, c'est quoi ? J, eh bien, c'est la densité à deux dimensions fois la vitesse moyenne. Et la vitesse moyenne, eh bien, je vais l'obtenir en prenant la moyenne de la vitesse V de Q que j'ai calculée précédemment, moyennée
sur la zone de Brillouin en mettant la même population à tous les A de ma zone de Brillouin parce que cette bande est pleine. Donc je mets le même poids à tous les Q qui figurent dans la zone de Brillouin. C'est là que c'est essentiel. Si j'avais des poids différents pour les différents Q, tout ce que je dis ne tiendrait plus. Alors, j'utilise donc la vitesse qu'on a trouvée ensemble, vitesse anormale et puis la vitesse de groupe. La contribution de la vitesse de groupe, eh bien, on voit tout de suite qu'elle est nulle. Elle est nulle pourquoi ? Eh bien, quand vous injectez le gradient de l'énergie là-dedans et que vous intégrez sur la zone de Brillouin, l'intégrale d'un gradient, c'est la valeur s'il n'y a pas de singularité, et l'énergie n'a pas de singularité, c'est la valeur de la fonction à une borne de l'intégrale moins la valeur de la fonction à l'autre borne de l'intégrale. Mais comme la zone de Brillouin est périodique, enfin, l'énergie est périodique dans la zone de Brillouin, j'ai la même valeur aux deux bornes de l'intégrale. Donc, la contribution de la vitesse de groupe est automatiquement nulle. Et tout ce que je suis en train de vous dire, là, c'est que si je prends un isolant, ça ne conduit pas l'électricité. Donc, je n'ai pas de courant dans un isolant. Je n'ai pas découvert grand-chose. Mais ce que je trouve, c'est que c'était essentiel de bien garder le deuxième terme, parce que si j'avais gardé que le premier, évidemment, je n'aurais pas du tout de transport. Si vous prenez le deuxième terme, eh ben là, il n'y a pas de problème. La vitesse est perpendiculaire à F, donc j'ai un courant qui va être perpendiculaire à F. Si ma force est selon X, le courant sera selon Y, avec un tenseur de conductivité sigma YX que je peux calculer, qui va donc faire intervenir l'intégrale sur ma zone de Brillouin de la courbure de Berry. Alors il faut que je prenne en compte la densité ρ2 d associée à cette condition d'une bande fondamentale pleine, toutes les bandes vides. Ça va me faire intervenir donc l'aire de la cellule unité. Ici, vous voyez apparaître l'aire de la zone de Brillouin. Les deux aires sont reliées l'une à l'autre par des facteurs 2π au carré parce que je suis à deux dimensions. Donc si vous me faites grâce des facteurs 2π et tout ça, enfin, j'espère ne pas les avoir corrects, ce que vous trouvez quand vous mettez les 2π corrects entre l'aire de la zone de Brillouin et l'aire de la cellule unité, vous trouvez que sigma yx, c'est 1 sur h fois un nombre sans dimension. Et ce nombre sans dimension, c'est quoi ? Eh bien, c'est simplement l'intégrale de oméga q, c'est ce oméga q qui est là que j'ai reporté là-dedans, l'intégrale d'oméga q sur la zone de Brillouin avec un 1 sur 2π devant. Et ça, j'appelle ça un nombre de Chern. Voilà. Et donc, dire si la conductance est quantifiée ou non, eh bien, c'est dire si ce nombre de Chern, c'est ici, vaut un nombre entier ou pas. Voilà. Donc, première chose, est-ce qu'il est non nul ? Et deuxième chose, est-ce que c'est bien un nombre entier ? Alors, est-ce qu'il est non nul, ce nombre ? Quand on regarde les choses très vite, on se dit qu'on est plutôt mal parti pour que ce nombre soit non nul, et on est plutôt mal parti pour la raison suivante. Ce nombre de Chern, je vous ai dit, c'est l'intégrale de la courbure de Berry. La courbure de Berry, c'est le rotationnel de la connexion de Berry. C'est parallèle à Z. Et je dois donc calculer cette intégrale, donc d'un rotationnel, sur une surface fermée, avec des conditions limites périodiques. Je vous rappelle que quand vous prenez une zone de Brillouin, cette fois-ci, je l'ai prise rectangulaire juste pour changer un petit peu, mais j'aurais tout aussi bien pu la prendre hexagonale comme pour le graphène. Cette zone de Brillouin, je vous rappelle que ce bord-ci est équivalent à ce bord-là. De la même façon, ce bord-ci est équivalent à ce bord-là. Alors, si vous prenez l'intégrale d'un rotationnel sur une surface fermée, comme ça, eh bien, si vous n'avez pas de singularité sur la connexion de Berry, si elle est régulière sur l'ensemble de la zone de Brillouin, la connexion, vous pouvez remplacer l'intégrale surfacique du rotationnel par l'intégrale sur le pourtour de la connexion de Berry elle-même. Si maintenant vous regardez l'intégrale sur le pourtour de la connexion de Berry, eh bien, à cause des conditions limites périodiques de cette zone, vous voyez que si je fais le tour, disons, dans le sens trigonométrique comme ça, l'intégrale, quand je vais de bas en haut ici, va être compensée exactement par l'intégrale quand je vais de haut en bas là, pour cette connexion à 2q. Et de la même façon, l'intégrale quand je vais de gauche à droite ici sera compensée par l'intégrale quand je vais de droite à gauche là. Donc, si j'ai le droit de dire que ça est égal à ça, je trouve forcément 0. Donc ça, c'est pas drôle, parce que je suis en train de vous dire que mon nombre de Chern vaut 0, et donc, à ce moment-là, je n'ai pas de transport. Où est l'erreur ? Bien, l'erreur, c'est que la connexion de Berry n'est pas toujours régulière. Et c'est même quand elle n'est pas régulière que les choses deviennent intéressantes. C'est quand je n'ai pas le droit de dire que ça est égal à ça, qu'à ce moment-là, je peux avoir cette chose-là qui est non nulle, bien que ce qui est écrit ici vaut toujours 0. Alors pourquoi est-ce que la connexion de Berry n'est pas toujours régulière ? Eh bien, revenons à une cellule unité à deux sites. Pour dans tout ce que j'ai fait sur le transport et l'effet Hall, là, j'avais quitté les cellules unités à deux sites, ma démonstration était très générale. Maintenant, revenons à une cellule unité à deux sites pour comprendre pourquoi est-ce que la connexion peut être singulière.
Si j'ai une singularité à deux sites, eh bien, je vous ai dit, je peux paramétrer mes états sous la forme cosθ sur 2 et puissance φ sinθ sur 2. C'est les états de la paramétrisation que j'ai utilisé jusqu'à maintenant. Je fais un choix de jauge où je dis que la première composante ici est réelle positive et puis je mets toute la phase sur la deuxième composante. Eh bien, ce choix de jauge-là, il a un problème en un point particulier de la sphère de Bloch qui est le pôle sud. Si vous allez au pôle sud, eh bien, au pôle sud, vous avez donc θ égale π. Donc la première composante vaut 0 et la deuxième composante vaut e puissance i phi. Et e puissance i phi, c'est quelque chose qui va mal se comporter quand je vais prendre le gradient. Quand j'approche le pôle sud en descendant depuis l'Argentine ou quand je l'approche en descendant de la Nouvelle-Zélande, eh bien, je vais trouver pas du tout le même e puissance i phi là. Je vais trouver des e puissance i phi très différents. Et quand je vais prendre le gradient en prenant deux points très proches du pôle sud, mais un plutôt côté Argentine, l'autre plutôt côté Nouvelle-Zélande, eh bien, je vais trouver un gradient énorme, alors qu'en fait, le problème physique lui est parfaitement continu au pôle sud. Donc, ce choix de jauge-là, eh bien, il est mauvais au pôle sud, parce que j'ai un gradient infini en ce point-là. Alors, vous allez me dire, ben oui, mais c'est parce que j'ai pris un mauvais choix de jauge. Il suffit de prendre un autre choix de jauge. Par exemple, plutôt que de mettre toute la phase en bas, je peux la mettre toute en haut. À ce moment-là, je n'ai plus de problème au pôle sud, puisqu'au pôle sud, à ce moment-là, mon vecteur U va s'écrire simplement 0, 1. Hein, quand je prends θ égale pi là-dedans, j'ai 0, 1. Plus de problème au pôle sud. Évidemment, je n'ai pas tout gagné. Je me retrouve avec un problème au pôle nord. Parce que maintenant, c'est au pôle nord que j'ai une puissance i phi qui va me poser des problèmes. Et plus généralement, si je suis dans le cas topologique, si ma sphère de Bloch est complètement recouverte, eh bien, je n'ai pas de bon choix de jauge. J'aurai toujours un problème, quelle que soit la manière dont je définis mon choix de jauge, j'aurai toujours quelque part un problème qui se posera. Et c'est précisément pour ça que je n'ai pas égalité entre l'intégrale surfacique de la courbure et l'intégrale curviligne de la connexion. Donc, conclusion, le nombre de Chern n'est pas forcément nul. Mais pourquoi c'est un entier ? Alors pourquoi c'est un entier ? Ben là, on a tout pour le dire. Supposons que j'ai compris donc, qu'il y a des singularités dans mes choix de jauge, donc je vais faire attention. Je vais continuer à appliquer mon théorème de Stokes, mais je vais faire attention de l'appliquer là où j'ai le droit de l'appliquer, c'est-à-dire sur des zones non singulières. Donc si je prends un choix de jauge 1 qui a une singularité quelque part ici, eh bien, je vais dire, très bien, je vais prendre une région que je vais colorier en rouge et je vais l'exclure pour le choix de jauge 1. Donc, je vais faire le choix de jauge 1 dans ce que j'appelle la région A. Donc, par exemple, si le pôle sud est atteint quelque part ici, dans la région là, eh bien, je vais prendre mon choix de jauge favori, là, je vais prendre simplement la région bleue. Et puis, la région rouge, elle, eh bien, je vais faire un autre choix de jauge qui, lui, a le bon goût de ne pas être singulier dans cette zone rouge. Lui, il va être singulier aussi quelque part, mais disons qu'il sera singulier ici, donc ça ne me posera pas de problème. Donc, je recouvre ma zone de Brillouin avec deux choix de jauge différents et chacun des choix de jauge a le bon goût de ne pas être singulier dans la zone que je lui attribue. Comment est-ce que se fait un choix de jauge en mécanique quantique ? Ben ça, vous le savez, hein, ça consiste une translation de jauge entre la jauge 1 et la jauge 2, c'est simplement prendre mes vecteurs de base, UQ1, et puis les multiplier par un facteur de phase et puissance I fois une fonction qui de Q, qui donc me décrit cette translation de jauge. Quand vous faites ça, la connexion de Berry qui fait intervenir le gradient de ces vecteurs-là, eh bien, les deux connexions de Berry pour les choix de jauge 1 et 2 sont reliées simplement par A2 égale A1 plus gradient de cette fonction qui. Et maintenant qu'on a ça, eh bien, appliquons, mais cette fois-ci de manière mathématiquement correcte, le théorème de Stokes. Donc je veux calculer l'intégrale d'oméga de Q. Je la coupe en deux. Deux intégrales surfaciques, une intégrale surfacique sur la région A, plus une intégrale surfacique sur la région B. J'applique sur chacun des morceaux le théorème de Stokes pour le bon choix de jauge. Donc pour la région B, commençons par elle, c'est la plus simple, je dis que l'intégrale surfacique sur la région B, c'est l'intégrale sur le contour C qui fait le tour de cette région B de AQ choix de jauge 2. Pour la région 1, eh bien, je fais la même chose, simplement je dois prendre, c'est un peu plus compliqué parce que ma région n'est pas simplement connexe, donc je dois prendre l'intégrale sur le pourtour, ici, pour la région A, donc c'est l'intégrale sur la zone de Brillouin que j'ai écrit ici, moins l'intégrale sur le contour intérieur, qui est cette intégrale sur curviligne sur C. Je vous ai dit tout à l'heure qu'à cause de la périodicité de la zone de Brillouin, l'intégrale sur le pourtour de AQ1, ici, valait 0. Encore une fois, parce qu'il y avait compensation des différents segments 2 à 2. Donc tout ce qui me reste, c'est l'intégrale sur le contour C de A2, moins l'intégrale sur le contour C de A1. Donc l'intégrale sur le contour C de A2 moins A1. Mais A2 moins A1, c'est simple, parce que c'est A2 moins A1, c'est simplement le gradient de qui, hein, c'est ce que j'écris ici.
Donc, ce que je trouve, c'est que l'intégrale de ma courbure de Berry sur toute la zone de Brillouin, c'est simplement l'intégrale curviligne du gradient de la fonction qui me fait mon choix de jauge. Qu'est-ce que ça vaut, ça? Eh bien, donc l'intégrale curviligne de gradient qui, ça consiste à partir d'un point ici, par exemple, et puis je prends l'intégrale de gradient qui, donc je regarde comment qui varie quand je fais tout le tour ici, et puis je reviens au même point. Quand je fais ça, tout ce tour, et je reviens au même point, il faut que je retombe sur la même fonction de départ. Mon choix de jauge doit être monovalué, c'est-à-dire que mon choix de jauge 2 doit être bien défini. En un point Q donné, je ne peux pas prendre plusieurs valeurs. Donc ça veut dire que quand je fais tout le tour comme ça et que je reviens au point de départ, il faut que ma fonction qui de Q, je retombe sur la même fonction à un facteur de pi près, de telle sorte que le puissance i fois 2 pi, lui, ne contribuera pas. Donc si je veux que mon changement de jauge soit monovalué, il faut que l'intégrale de ce gradient de qui de Q dq soit un multiple de 2 pi. Et une fois que j'ai dit ça, eh bien c'est exactement ce que je voulais démontrer. L'intégrale donc de la courbure de Berry sur la zone de Brillouin est un multiple de 2 pi, ou si vous préférez le nombre de Chern, qui est cette intégrale-là divisée par 2 pi, est un entier. Voilà. Donc, je peux avoir effectivement un nombre de Chern non nul, mais ce nombre de Chern est forcément un entier à cause du raisonnement que je viens de vous faire. Alors, on peut faire d'autres types de raisonnements, hein. J'en ai mis deux autres, au moins dans les notes, ils conduisent tous au même résultat, que c'est forcément un entier, donc il n'y a pas de problème. Bien, il me reste encore un petit peu de temps, oui. Et donc, maintenant, on est convaincu qu'on a une caractérisation physique de la topologie, qui est donc ce nombre de Chern non nul, qui utilise la notion de courbure de Berry. On avait une caractérisation géométrique de la topologie, qui était cette couverture de la sphère de Bloch. Donc, j'aimerais, dans la dernière partie, discuter deux petites choses. D'une part, vérifier que nos deux caractérisations coïncident bien. Et puis ensuite, comment est-ce que, expérimentalement, on peut avoir accès à cette courbure de Berry et vérifier donc que le nombre de Chern est bien un entier. Alors, première chose, comparons nos deux approches. Vérifions que ce que je vous ai proposé comme critère géométrique coïncide bien avec ce qu'on a trouvé maintenant comme critère physique sur le transport. Donc le critère géométrique, je l'ai réécrit ici. C'était le fait que cette intégrale d'une fonction un petit peu compliquée du vecteur n était un entier non nul, et ça, je vous l'avais dit, les mathématiciens nous disent que la sphère de Bloch, enfin la sphère unité, est complètement couverte. Ils n'appellent pas sphère de Bloch, peut-être sphère unité. L'approche physique, c'est la conductance de Hall quantifiée. C'est que cette intégrale de oméga de Q dq divisée par 2 pi est un entier non nul. Ou oméga de Q, eh bien, je vous rappelle encore une fois, je le calcule avec les dérivées partielles de uq. Alors cette fois-ci, là, je vais me limiter à une subunité à deux sites. Donc ce que j'appelais la bande fondamentale, c'est la bande moins cette fois-ci, et j'ai une bande excitée qui est la bande plus. Alors est-ce que ces deux choses-là coïncident? Eh bien en fait oui, et c'est même pas difficile à montrer, parce que ces deux choses-là en fait manipulent les mêmes outils. Le uq qui intervient là, eh bien je peux le paramétrer à l'aide des deux angles que j'ai introduits une multiple fois, les angles θ et φ, l'angle donc polaire et l'angle azimutal sur la sphère de Bloch. Le vecteur n que j'ai introduit ici, c'est lui aussi paramétré en termes de θ et de φ, sinus θ cos φ, sinus θ sin φ, etc. Et donc vous pouvez calculer à la fois ce terme-ci et ce terme-là en fonction des angles θ et des angles φ. Et le calcul explicite n'a rien de bien difficile. Et ce qu'on trouve, en fait, c'est qu'il y a égalité à un facteur moins 1,5 près entre l'intégrande qui est là et l'intégrande qui est là. Plus précisément, le oméga de Q, la courbure de Berry, c'est jamais rien d'autre, pour une cellule unité à deux sites, hein, dans ce cas-là, c'est jamais rien d'autre que ce moins 1,5 de cette fonction compliquée de n. Donc, le critère géométrique que j'avais introduit coïncide bien avec le critère physique fondé sur le transport. C'est rassurant. Hein. Mais vous pouvez utiliser l'un ou l'autre à volonté. Maintenant, on est en terrain sûr. Maintenant, posons-nous la question, que faut-il faire pour avoir une courbure de Berry non nulle? Que faut-il faire pour avoir un nombre de Chern non nul? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il faut éviter comme symétrie pour éviter que toutes les intégrales donnent zéro si je les calcule? Alors, il y a deux symétries qui jouent un rôle dans le problème. Enfin, il y en a beaucoup, mais les deux que je vais considérer, c'est la symétrie d'inversion, d'une part, et le renversement de temps, d'autre part. La symétrie d'inversion, ça consiste simplement à prendre une fonction d'onde psi de R, et quand je fais agir l'opérateur inversion, ça me transforme psi de R en psi de moins R. À ce moment-là, c'est assez simple de montrer, je vous laisse le faire en exercice, que si mon Hamiltonien possède cette symétrie d'inversion, c'est-à-dire si l'Hamiltonien commute
avec l'opérateur S0, eh bien, à ce moment-là, la courbure de Berry est la même en deux points opposés de la zone du Berry loin. C'est-à-dire que oméga de Q est égal à oméga de moins Q. Ce n'est pas difficile à faire. Deuxième symétrie, un petit peu plus délicate à manipuler, c'est le renversement du temps. Le renversement du temps, sur le plan physique, ça consiste à faire l'opération suivante. Ça consiste à jouer le film à l'envers, en gros. Ça consiste, si vous avez une particule décrite par une certaine position, une certaine vitesse, ça consiste, quand vous faites l'opération renversement du temps à un instant donné, ça consiste à garder sa position R et à changer sa vitesse en son opposé. Alors, ça veut dire ça que vous changez son moment cinétique, puisque le moment cinétique, c'est R vectoriel P. Donc, si vous êtes avec un problème, une particule avec un spin, il faut aussi changer le spin et les choses deviennent un petit peu compliquées. Là, je me limite à des particules sans spin. Donc, l'opération renversement du temps pour une particule sans spin est très simple sur le plan mathématique. Ça consiste simplement à prendre le complexe conjugué. C'est-à-dire que si vous prenez une fonction d'onde psi de R, eh bien, l'opération renversement du temps se décrit par l'opérateur K0 qui, quand il agit sur psi, me donne psi étoile. Ça, ça laisse bien invariant la densité de probabilité au point R, qui est module de psi de R au carré. Donc, quand je fais cette opération, si j'ai une densité de probabilité en un point, ça reste au même point. En revanche, si je prends une onde plane, et puissance IKR, et si je fais agir K0 là-dessus, eh bien ça me donne et puissance moins IKR, donc ça me change bien K en moins K, ça change bien l'impulsion en moins l'impulsion, donc ça semble bien remplir le cahier des charges, et puis on peut vérifier sur d'autres cas que tout va bien. Alors à ce moment-là, on peut montrer, là encore, c'est fait dans les notes, je ne le fais pas en détail, que si je prends un Hamiltonien qui possède cette symétrie par renversement du temps, essentiellement c'est un Hamiltonien dont tous les termes sont réels, il n'y a pas de terme qui est une partie imaginaire non nulle, qui serait changé en son complexe conjugué dans Hamiltonien, eh bien à ce moment-là, on peut montrer que oméga de Q est égal à moins oméga de moins Q. Vous voyez, ce n'est pas la même relation. Hein. Cette fois-ci, j'ai un signe moins. Alors ça implique en particulier, cette relation-là, que dès que vous prenez un problème qui est invariant par renversement du temps, et dans lequel il n'y a pas de spin, eh bien, comme oméga de Q prend des valeurs opposées en deux points symétriques par rapport à zéro de la zone de Brillouin, quand vous allez prendre l'intégrale d'oméga de Q sur la zone de Brillouin, vous allez forcément trouver 0. Donc, si vous prenez un problème sans spin, invariant par renversement du temps, eh bien, vous êtes sûr que vous êtes face à un problème qui ne sera pas topologique, vous n'aurez pas d'effet Hall là-dedans. D'accord ? Si vous voulez avoir un nombre de Chern non nul, il faut briser la variance par renversement du temps. C'est ce qu'on fera avec le modèle de Haldane la semaine prochaine. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est que si vous avez les deux symétries qui sont simultanément présentes, à la fois l'inversion et le renversement du temps, alors, vous avez un résultat qui est plus fort que ça. Là, c'est un résultat qui porte simplement sur l'intégrale d'oméga de Q. Mais oméga de Q peut très bien être non nul en certains points, pourvu qu'il prenne le signe opposé en d'autres points. Mais là, si vous avez les deux symétries simultanément présentes, oméga de moins Q est à la fois égal à oméga de Q et à son opposé. Donc oméga de Q est identiquement nul. Et donc à ce moment-là, vous avez zéro courbure de Péri, zéro vitesse anormale. Là, vraiment, c'est un peu tristouné sur le plan topologique. Voilà, donc ça, c'était juste pour vous guider. Si jamais vous voulez chercher un problème topologique, voilà ce que les conditions que vous devez remplir. Selon que vous voulez un oméga de Q non nul, donc il faut éviter les deux symétries, ou si vous voulez un nombre de Chern non nul, à ce moment-là, il faut absolument éviter l'invariance par renversement du temps. Alors, je termine en quelques minutes par une très jolie expérience qui a été faite l'an dernier à Hambourg, dans le groupe de Christoph Weitenberg et Klaus Engstock, publié dans Science, donc c'était en fait, il y a bientôt 2 ans maintenant, dans laquelle ils ont mesuré explicitement la courbure de Berry. Ils l'ont reconstruite complètement pour un réseau hexagonal. La manière dont ils ont rendu leur réseau hexagonal non topologiquement trivial, c'est-à-dire, enfin, en tout cas, la manière dont ils ont obtenu une courbure de Berry non nulle, c'est en modulant les paramètres du réseau dans le temps. Alors, je ne vais pas décrire ça aujourd'hui, je passerai pas mal de temps la semaine prochaine à vous décrire ce qui se passe quand on module un réseau dans le temps, qu'on le secoue comme ça. Je vous montrerai pourquoi est-ce qu'on peut s'attendre à avoir une courbure de Berry non nulle. Donc, à ce stade, faites-moi simplement confiance sur le fait qu'en modulant un réseau dans le temps, on peut avoir effectivement une courbure de Berry non nulle. La question, c'est comment est-ce qu'on la mesure si on l'a. Donc, leur idée, ça a été de se dire que mesurer la courbure de Berry oméga de Q, eh bien, finalement, c'est mesurer le vecteur n, puisque je vous ai dit qu'une fois que je connais le vecteur n, je connais la courbure de Berry. Donc en fait, ils ont mesuré l'angle θ et l'angle φ. Et pour mesurer l'angle θ et l'angle φ, ce qu'ils ont fait, c'est une mesure de la distribution d'impulsion des atomes qui occupaient la bande fondamentale. Donc ils ont préparé leurs atomes dans la bande fondamentale, et ensuite, ils ont simplement coupé leur réseau
enfin, je vais vous décrire un tout petit peu plus en détail après, mais basiquement, ils ont coupé leur réseau, fait une expansion balistique et mesuré où arrivaient les atomes après une certaine expansion balistique, donc mesuré la distribution d'impulsion. Pourquoi est-ce que ça peut donner accès aux angles θ et φ, ça ? Eh bien, si vous dites que les atomes sont préparés, donc un atome, par exemple, occupe l'état U de Q, toute la bande fondamentale est pleine dans la manip, mais prenons un atome particulier qui est dans l'état U de Q, donc l'atome est avec une amplitude de probabilité cosinus θ sur, enfin, cos θ sur 2 sur tous les sites A, et puis et puissance I phi sinus θ sur 2 sur tous les sites B. Quand vous faites un temps de vol, une expansion balistique, finalement, ce que vous faites, c'est l'équivalent d'une diffraction par un réseau. Quand vous avez la lumière sur un réseau et que vous regardez ce qui est diffracté dans une certaine direction donnée, ben, c'est l'équivalent d'une expansion balistique. Si je vous donne un réseau avec deux types de fentes, des fentes A et B, et que j'éclaire tout ça avec de la lumière cohérente, les fentes A et les fentes B, et je regarde ce qui est diffracté dans une certaine région, ben, ce que je vais devoir faire, c'est sommer de manière cohérente l'amplitude diffractée par toutes les fentes A plus l'amplitude diffractée par toutes les fentes B, en affectant ces amplitudes du poids des fentes A et du poids des fentes B. Donc c'est exactement ça qui est représenté ici. Ce que vous faites ici, c'est que vous dites que la distribution d'impulsion, c'est une somme cohérente de ce qui est diffracté par les sites A, de ce qui est émis par les sites A, donc le cos θ sur 2, plus ce qui est émis par les sites B, donc avec la bonne amplitude, et puissance I phi sinus θ sur 2, vous prenez le module au carré de ça, et vous multipliez par une fonction enveloppe. Et la fonction enveloppe, c'est simplement là pour vous dire ce qu'émet chaque fente individuelle. Donc la fonction enveloppe, c'est quelque chose qui est très large, puisque les fentes elles-mêmes sont très petites, donc la fonction enveloppe dans l'espace de Fourier est très large. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas la fonction enveloppe de chaque fente, c'est comment est-ce que les différentes fentes s'additionnent de manière cohérente quand vous regardez la diffraction par un réseau. Donc là, c'est pareil. Ce qui est intéressant, ce n'est pas la fonction enveloppe qui me dit comment est-ce que mes particules sont localisées au voisinage d'un site A ou un site B. Ça, c'est les fonctions de Vanier correspondantes, mais ce n'est pas elles qui sont intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que tous les sites A et tous les sites B s'additionnent de manière cohérente avec leurs amplitudes en cos θ et sin θ, et puis leur phase et puissance I Q relative. Donc, si on regarde un tout petit peu plus dans le détail, donc cette fonction N de Q est écrite ici. Quand on développe le module carré, là, on utilise le fait que cos carré plus sin carré égale 1, et on obtient 1 moins sinus θ cosinus phi Q, ici. Alors là, vous allez me dire, oui, mais c'est bien, on déterminera sûrement quelque chose, mais on ne va pas déterminer individuellement θ et phi. Je vais déterminer le produit sin θ cos phi, et c'est tout. Et c'est vrai, je ne peux pas aller au-delà si je fais ça seulement. Donc en fait, la manip de Hambourg est un tout petit peu plus riche que ce que j'ai décrit jusqu'à maintenant. Pour déterminer séparément θ et φ, ils ont procédé en plusieurs étapes. C'était une suggestion de Hauke, Levenstein et Eckhart. Ils ont procédé de la manière suivante. Donc ils ont préparé leurs particules dans le réseau. Donc ils ont préparé ces états-là, ici. S'ils font simplement à cet instant-ci une expansion balistique, eh bien, ils mesurent ça. Mais en fait, ils ne font pas l'expansion balistique juste après la préparation. Ils font une phase intermédiaire que j'ai qualifiée de trempe soudaine, en anglais quench, qui consiste, une fois qu'on a préparé ça, à brusquement changer l'hamiltonien pour le faire passer à un hamiltonien qui est beaucoup plus simple, qui est un hamiltonien où je fais un très grand écart d'énergie entre l'énergie des sites A et l'énergie des sites B. Je mets un très grand écart que j'appelle H bar oméga 0, l'écart d'énergie, donc je mets plus H bar oméga 0 sur 2 pour les sites A, moins H bar oméga 0 sur 2 pour les sites B. Et ça, ça a pour effet de... Je laisse ça pendant un certain temps T. Et ça, ça a pour effet de faire défiler la phase de l'amplitude B par rapport à l'amplitude A. Plus précisément, ça va simplement rajouter un épuissance I oméga 0 T à l'amplitude relative entre A et B ici. Donc, au lieu d'avoir phi Q ici, je vais avoir phi Q plus oméga 0 T pendant cette phase T là. Et puis après, je fais la mesure de l'expansion balistique. Donc si je fais la mesure à cet instant-ci, j'obtiens ce qui est écrit là, sinus θ cos φ. Si je la fais à un instant t ultérieur, j'obtiens sinus θ cos φ plus oméga 0 t. Et si je varie t dans le temps, eh bien je suis comme ça capable de reconstruire à la fois l'amplitude de l'oscillation, qui sera sinus θ, et puis la phase de l'oscillation, qui sera φ. Donc c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont fait donc cette manip en pixelisant leur zone de Brillouin en plusieurs milliers de valeurs de Q, en pixelisant le temps aussi en beaucoup de valeurs, plusieurs centaines, et en mesurant tout ça, eh bien, ils ont été capables de reconstruire à la fois θq et φq, donc l'amplitude sinus θ et la phase φ de l'oscillation. Et une fois qu'ils ont ça, eh bien, ils ont donc la courbure de Berry oméga, puisque si je connais θ et φ, je connais la courbure de Berry. Donc voilà les résultats. Donc, c'est une manip qui est faite donc, avec en fait, c'est des réseaux de tubes déposés de manière hexagonale. Ici, j'ai dessiné un hexagone, mais
faut imaginer que le plan XY est pavé d'hexagones avec des tubes qui sont parallèles à l'axe Z. Et la dynamique intéressante se fait dans le plan XY ici. Donc voilà la zone de Brillouin, c'est l'hexagone qu'on a vu tout le temps hein, dans ce cours, donc il n'y a pas de surprise là-dessus. L'amplitude est représentée ici, donc une forte amplitude, un grand sinus θ se voit ici, un petit se voit en rouge là, en fausse couleur. La phase est représentée là, donc pour leur système ici, un défaut de phase, donc un point de Dirac en fait au centre là, parce que leur réseau modulé avait cette propriété-là. Et donc connaissant l'amplitude de la phase, donc connaissant sinus θ et φ, ils reconstruisent leur courbure à l'aide de la formule que j'ai écrite ici, qu'on peut écrire de manière explicite en termes de θ et de φ sous cette forme-là. Je vous passe les détails, mais enfin bon, tout ça c'est simplement de l'algèbre à partir de formalisme qu'on a vu ensemble. Et ils reconstruisent comme ça une belle courbure de Berry. Donc cette courbure de Berry, elle est mesurée en unité de 1 sur b carré, donc ça c'est l'unité standard où b c'est le pas du réseau. Les valeurs blanches ici, c'est un peu, je n'avais pas réalisé jusqu'à maintenant, mais bleu, blanc, rouge, c'est gentil pour nous ça. Les zones bleues correspondent à des valeurs négatives, les zones blanches correspondent à une courbure de Berry nulle, les zones rouges à une courbure de Berry positive. Donc on voit que la courbure de Berry là, prend des valeurs à la fois positives et négatives. En fait, pour ce réseau particulier, donc ce réseau secoué qu'ils ont réalisé, on peut vérifier que l'intégrale de la courbure de Berry vaut bien 0. Donc ce n'était pas un réseau topologique stricto sensu, puisque l'intégrale de la courbure ne valait pas un nombre non nul, elle valait 0. Mais il y avait quand même de la topologie, puisque la courbure de Berry n'est pas identiquement nulle. Hein, elle est grande et négative ici, grande et positive en ces points-là. Mais la bande est non topologique. Ce qui est quand même remarquable, c'est qu'avec cette valeur de la courbure de Berry, ils ont pu calculer son intégrale, et ils ont trouvé, donc ça doit être 0, 1, 2, ça doit être un nombre entier, et ils ont trouvé 0 à mieux que 1% près. Donc ça veut dire que la manip est vraiment faite soigneusement. Voilà, donc je m'arrête ici et je conclue donc, ce cours. On a bien avancé, on n'a pas loin d'avoir terminé nos études de réseau à deux dimensions, mais on a bien avancé parce qu'on a maintenant un critère qui est un critère bien motivé, physique, pour caractériser la topologie d'une bande d'énergie dans un réseau à deux dimensions. Ce critère, c'est la conductance de Hall quantifiée pour une bande uniformément remplie, donc ce sigma yx qui s'écrit 1 sur h fois un nombre entier. Et ce qu'on a vu ensemble, c'est, pour calculer son nombre entier, le rôle central que joue la courbure de Berry, puisque c'est elle qu'il faut intégrer sur la zone de Brillouin pour avoir ce nombre de Chern. Et puis ce critère, qui est un critère physique, eh bien, on l'a recoupé avec un critère mathématique pour les cellules unités à deux sites. On a montré que ce critère coïncidait avec ce qu'on appelle un recouvrement complet de la sphère de Bloch ici. Et donc maintenant la question qui se pose, évidemment, c'est quels sont les modèles physiques qui peuvent conduire à un tel recouvrement. Et ça, ben, c'est ce qui va nous occuper toute la semaine prochaine. Donc, je m'arrête ici. Je vous rappelle le séminaire qui aura lieu à 11h15, à peu près peut-être 11h20, de Pascal Sennelard. Et je vous remercie pour votre attention.